Where is my fan? Je vous dis. Remets-moi ma femme. Sinon, je rendrai les restes de tes jours sur terre. Misérable. Emeka. Emeka. Tu sais que je ne savais pas que c'était ta femme. Tu le sais. Hein? S'il te plaît. Oh, tu restes toujours mon pote. Pardonne-moi. Ce qui s'était fait, c'était qu'une erreur. Une erreur? Une erreur! Une erreur qui t'enverra en enfer! Chico, tu m'as emporté mon intime, mon âme, tout ce que j'avais parti. Et tu as le courage de te tenir devant moi et appeler ça une erreur? Mon pote, rappelle-toi. Tu te rappelles que tu es mon frère, du sang depuis l'enfance. Hein? Ce que c'était fait est fait. Je le sais. Mais je vais te dire que tout ce qui s'est fait, ça part toujours dans un sens. Écoute, c'était une erreur. C'était une erreur. C'est arrivé. Je ne voudrais pas prendre ta femme tout simplement. Mais devine quoi, mon cher? La vie peut jouer trois rôles pour toi et pour moi. Mais tu sais ce qu'on dit. Que la vie est faite pour vivre. Je te l'ai dit. C'est pour toi et pour moi. Mon pote. Laisse tomber, mon pote. Tu es un homme. Sois ferme et continue à faire autre chose. Ne nous faisons pas du mal pour bien avancer, s'il te plaît. Je t'en supplie. Supporte-moi. Hein? S'il te plaît. Dans ta tombe, Jiko. Aïe. Dans ta tombe. Je te le préviens. Tu sais, je cherche à comprendre pourquoi Emeka te demande après sa femme et pourtant tu ne connais absolument rien à propos. Je ne sais pas, tu parles de quoi? Je veux savoir ce que tu essaies de dire. Un instant, tu veux dire que je sais? Oh, je comprends. Donc tu es en train de m'accuser. Tu es en train de me suspecter que je sais ce qui s'était passé à la femme d'Emeka? Chikubi, écoute. Non, ne nie pas, c'est ce que tu veux dire. C'est pas ce que je sais de dire. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Écoute, je cherche à comprendre pourquoi Emeka va se réveiller un bon matin et te demander après sa femme. Je veux dire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hey! Vraiment, c'est étonnant. Hey! Finalement, mes ennemis ont réussi et ils t'utilisent pour me poursuivre. Alors c'est toi, ma femme à moi, que j'ai épousé. Je t'achète le vêtement. Je t'ai acheté la perruque que tu as. La nourriture que tu manges, c'est à moi. Tout ce que tu utilises, c'est à mon argent. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, tu te laisses utiliser par les démons pour me déranger. Non, ça ne réussira pas. Je partage le même lit conjugal avec toi jour et nuit sans savoir que tu as une mauvaise intention. Tu as dans ton cœur contre moi. C'est aujourd'hui que tu le vomis pour me dire que c'est moi le responsable de la mort de la femme d'Emeka. Voilà ce que tu m'infliges. Qu'est-ce que tu veux nier? Tu l'as dit clairement, tu traites ton mari d'un meurtrier. Hey! Ah! Hey, Amanda, tu sais quoi? C'est fini. C'est mariage. Tu ne peux plus continuer de vivre dans la même maison, hein? Avec un meurtrier. Chico, mais on ne peut pas en arriver là, écoute. Je ne veux plus t'entendre encore. Tu vois, maman? Dégage. Je ne veux plus te voir ici. Dégage. Tu ne veux pas... tu es toujours là? Idiote.
Santo, Santo, la fille de mon cœur. Tu es très belle. Ça se voit, tu viens tout juste du marché. As-tu acheté beaucoup de choses? Ifani, pourquoi tu m'as fait arrêter? Il serait mieux que tu te mettes à parler, ma mère m'attend. Apaise-toi, non? Ah, ah. D'après ta réponse, ça se voit que tu as amené beaucoup de choses. Non, je ne l'ai pas fait. Alors qu'est-ce qu'il y a? Apaise-toi. Te sens-tu à l'aise? Hein? Mais pourquoi tu joues comme ça chaque fois que tu me rencontres? Par rapport à ce que nous avons parlé la fois dernière, je n'ai pas corrigé la réponse de toi. Discuter? S'il te plaît, rappelle-moi. Est-ce que c'est... Ah, ah! Es-tu sérieuse? Hein? Comment peux-tu me parler de cette façon? Hein? D'accord. C'est à propos de nous. Je veux qu'on devienne ensemble. En couple. Hein? Permets-moi de t'aimer maintenant. Tout ce que je te demande, c'est de me donner une chance dans ta vie. Hey! Il fallait hein? Vraiment. Il fallait. Attends! C'est pourquoi tu m'as arrêté sous ces grands soleils? Hein? 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 Hey! Oh! Regarde, laisse-moi t'aimer comme aucun homme ne peut t'aimer dans ce village. On en parlera plus tard. Pardon. Tu vois maintenant, hein? Il ira dire à maman que j'ai traîné ici avec toi. Calme-toi, calme-toi. Nous faisons rien de mal. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. S'il te plaît, je m'en vais. Somme-tu, mon amour. Mon amour. Qu'est-ce qui lui semble aussi difficile? Elle devient toujours dure à chaque fois qu'elle me rencontre. Pourquoi? Écoute, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Je ne comprends rien franchement. Hein? Je ne comprends rien de tout ce que tu dis. Tu m'as demandé de l'argent pour faire sortir la marchandise. Je t'ai donné de l'argent et cet argent c'était pour faire sortir la marchandise. Et tu viens ici pour me dire autre chose. Comment tu continues encore à garder la marchandise chez toi? Et tu trouves que c'est normal? Hein? Ce n'est pas de ma faute, monsieur. C'est de ma faute? Je... Tu veux que j'accepte que c'est ma faute? Monsieur, ce n'est pas la faute de quelqu'un. À partir du port, spécialement... Pour tous ceux qui veulent importer les conteneurs, tous ceux qui sont arrivés à vos conteneurs, je pense que c'était imprévisible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Hey! Hey! Je suis fini. Cet homme m'a rendu un mauvais service. Allez, bébé, je t'en prie, calme-toi. Hey! Hey! Calme-toi, chérie. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Hey! Chérie? Deux conteneurs. De tous ces conteneurs, j'en ai que deux. Uh-huh. Deux. Est-ce que tu comprends cet idiot qui vient me dire? Il vient pour me dire qu'on a saisi ma marchandise. Que le gouvernement a saisi ma marchandise. Celle que j'ai payée avec mon argent. Celle que je t'avais donné l'argent pour faire sortir. Est-ce que tu n'as pas même honte de me dire? Oui, je comprends. J'étais au bureau. Cet homme est venu me voir au bureau. Il m'a dit qu'il est... Donc c'est un douanier. Tel qu'il est là, c'est un douanier. Je comptais déjà que j'ai quelqu'un qui va faire sortir ma marchandise. Il m'avait demandé le taxe. Maintenant, regarde cet homme. Tu as cherché le travail au Nigeria, tu ne l'as pas trouvé. Et moi, je te l'ai donné. Chérie, regarde-moi cet homme. Je vais le faire arrêter où? La dernière fois qu'on avait discuté, tu m'avais dit que la marchandise était déjà au port. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que je lui avais donné l'argent pour la marchandise. D'accord, chérie, je comprends. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, tous ces deux conteneurs ont été confisqués par les agents douaniers. Confisqués quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Confisqués quoi? Chérie, je calme-toi. Je parle de la douane, monsieur. Je t'en prie. Laisse-moi, chérie. Je vais le faire arrêter. Chérie, je comprends ce que tu dis, mais tu dois te calmer. Tu dois te calmer pour que nous puissions trouver une solution. Crier ne va pas résoudre le problème. Jeune homme, que pouvons-nous faire pour pallier à ces problèmes? C'est... nous pouvons... pour résoudre les problèmes de nos conteneurs. Et nous travaillons durement pour récupérer nos marchandises. Pas ma marchandise. Hé, hey, pas pour moi. Bébé. Pas ma marchandise. Hé, ya, 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 ya. Ma marchandise. Ma marchandise. Ma marchandise. Chérie, 320 millions. Est-ce que ton père a 320 millions? On va trouver une solution, monsieur. Désolé. Est-ce que vraiment le roi de ton village peut réaliser 320? Il est capable? Aïe. Bébé, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Bébé, aïe. Je t'en prie, calme-toi. Hé hey. Calme-toi, bébé. Ma marchandise. Écoute. Ma marchandise de 320 millions. Tu dois te calmer, chérie. Oh, mon Dieu. Hé hey. Ah, mais comment ça? Pas ma marchandise. Non, pas pour moi. Chérie, mais... Non, pas ma marchandise, pas pour moi. Où est-ce que tu vas aller?
pas ma marchandise. Où est ma marchandise? Désolé, monsieur. S'il te plaît, je t'avais déjà donné l'argent pour la faire sortir. Nous allons trouver une solution. Je t'avais donné mon argent pour faire sortir ma marchandise. Vous devez vous calmer pour que nous trouvions une solution. Mais je t'avais donné de l'argent pour faire sortir ma marchandise en tant qu'un douanier. Et tu viens me dire autre chose que moi, je n'ai pas besoin d'entendre. C'est la bêtise que je ne veux pas. Je t'en prie. Chérie, tu es en train de faire une crise. Comment est-ce que cela est arrivé? Nous travaillons très durement pour résoudre ces problèmes afin de trouver une solution. Je ne veux pas entendre ce genre de français dans ta bouche. Quand tu venais chercher l'argent, tu n'avais pas tous ces langages. Tu ne travailles pas avec ces douaniers. Chérie, non, tu ne travailles pas avec ces douaniers. C'est l'agence. Et mais c'est quoi la différence? Tu dois te calmer, bébé. Ma marchandise, oh. La marchandise va passer. Ma marchandise. Calme-toi. Nous allons trouver une solution. Messieurs, Aloussi. Aloussi. Vraiment, je suis fini. Hey! Aloussi, je suis fini, oh. Cet homme est méchant. Joe, c'est cool. Pardon. Tu sais, nous étions juste en train de parler de toi. De t'informer que nous sommes en retard. Laisse-moi l'appeler. Hein? Où est-ce qu'il est? Laisse d'abord ce problème des voitures. J'ai autre problème. Je suis troublé. Je suis tourmenté. Je suis troublé. Mettons la voiture de côté. Je suis dans... Mon cher, mon pote à moi. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Tu es seul ici? Je suis seul. Ok. J'ai besoin de ton aide. De quoi s'agit-il? Par où dois-je commencer? C'est qui est important que quand ce problème est arrivé, tu es la première personne à raisonner. Hein? L'esprit m'envoie, vas-y chez Joe, vas-y chercher Joe. Dieu merci que je t'ai trouvé, tu es au pays. Mon frère, en tout cas, c'est vraiment un problème sérieux. Vas-y, de quoi s'agit-il? Tu sais que tu es les amis douaniers. Exactement. Oui. Je sais que tu peux parler avec un à ma faveur. J'ai un problème. Tu sais que je suis un homme d'affaires depuis très longtemps. J'ai toujours importé. Tu comprends? Oui, je sais. Oui. Il y a un problème. Du coup? Oui. Du coup, c'est quoi le problème? On a saisi ma marchandise. Oui. Mes conteneurs, on les a saisis. J'ai besoin de l'aide. Du coup? Les gérants douaniers. Cet après-midi, j'étais avec les douaniers. Ils me disent que tous mes deux conteneurs... Regarde. Que dois-je faire maintenant? Du coup, j'ai de bonnes relations avec le chef de contrôleur. Je peux le contacter. J'espère que réellement ce n'est pas de la contrebande, Joku. C'est vraiment un petit problème. Ce n'est pas du tout grave, c'est un petit problème. C'est quelque chose que tu peux facilement résoudre. Il y a des contrebandes parmi ces marchandises. Jésus. Oui. Joku, tu es même passé pour savoir que la contrebande est contraire à la loi et elle est punie. Mais ne sois pas paniqué, tu cries beaucoup. Hein? Mais ces contrebandes que tu parles sont meilleures à vendre. Il y a de la rentabilité. C'est ce qui me fournit même de l'argent. Tu le sais bien. Aide-moi. Hein? D'accord, je vais faire ça. Quelle sera la part que tu vas me donner? Tu es sûr que tu es seul ici? Je suis seul ici, mon frère. Il n'y a personne ici. Hein? Tramadol, quelque chose comme ça. Joku? Hein? Tramadol? Hein? Tu sais que c'est nuisible pour les gens. Tramadol est interdit dans cette région. Pourquoi veux-tu importer le tramadol? Je vais me corriger pour importer le tramadol. Hein? Joe, vraiment doucement, aide-moi. Hein, Joe, en tout cas, ne m'abandonne pas. Je suis toujours ton frère. C'est un travail que je fais régulièrement. Cette activité a un bon rendement, tu verras. Hein? C'est toujours ça qui me rapporte tout l'argent que tu me vois avec. Mon cher, aide-moi. C'est la raison pour laquelle je suis venu te voir pour m'aider. S'il te plaît, aide-moi. Appelle ton nom pour m'aider. C'est pourquoi je suis là. Hein? Joko, tu es mon ami. Je sais combien de voitures il y a. Tous sont mes véhicules, 70 véhicules qui sont ici. Pendant 3 ans, il y a encore de ces gens qui gardent encore mon argent. Je montre toujours la charité. Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Je suis philanthrope. Hein? Tu Joe, sais quoi? Joe, écoute, Joe. Calme-toi, ne sois pas paniqué de plus que moi. Calme-toi, je suis ton pote. Hein? Dis à tes gens de te donner le téléphone. Je sais que tu peux m'aider. Aide-moi, hein? C'est bon. Je vais appeler le chef de contrôle. Fais l'appel, fais l'appel. Dis à tes hommes de te donner le téléphone. Apporte mon téléphone. Fais l'appel. Laisse-moi prendre mon téléphone. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Non. Il doit appeler. Fais l'appel. Ah, c'est pour ça que j'ai troublé.
Donc c'est pour ça que tu perds ton sang-froid pendant que tu as un ami comme moi, Amaka. Alors sinon, pourquoi on s'aime l'un l'autre? On doit toujours céder, mec. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Je suis ton frère du sang, ne m'abandonne pas. Emeka, aide-moi. J'ai un problème. Hein? Aide-moi que je me débarrasse de cette situation. Pardon. Hein? Je ne veux pas que ce genre bouffe mon marchandise. Djeko, tu n'as aucun problème. Je suis un grand homme, je n'aime pas les questions compliquées. Je le sais. Même à l'extérieur. Je le sais. J'ai dû libérer des hommes qui ont dû arrêter avec les drogues. Qui avait la drogue? En Asie et au Moyen-Orient. Il m'a Kubuda Siati. Et te voilà en train de me parler, de me raconter de la coutume nigériane. Tu sais que ce n'est pas un problème, mec. Prenons la boisson, on va boire ensemble. Quoi? La boisson? Non, 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 ça ne vaut pas la peine, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Relaxe-toi, mec. Emeka, Emeka, comment tu peux me dire de me relaxer? Je ne peux pas me relaxer. Hein? Il n'y a pas moyen, Emeka. Mon pote, j'ai besoin de l'aide. Je suis dépassé. Je te dis vrai, mon frère, ma situation est devenue difficile. Il y a le feu partout, mon corps entier a pris du feu. Voilà pourquoi je suis là. S'il te plaît, aide-moi. Mets la boisson de côté. Nous pouvons boire après. Mais avant tout, aide-moi, s'il te plaît. Hein? 320 millions de nerfs, Emeka. 320. Je veux voir que tu es vraiment anxieux, mais ah. Arrête de te déranger. Calme-toi. Apporte-moi juste tes papiers. Je te sortirai de la mec. Emeka, Emeka, Emeka. Pour que ça ne se voit pas comme si venir te chercher ici chez toi, c'est un dérangement. Appelle seulement. Aide-moi, mon frère. Je le sais bien que je vais t'apporter tous ces documents. Je parlerai à cet idiot, les douaniers, à qui j'ai donné tous mes documents. Il a tous mes documents. Il a tous les taxes et autres documents. Je vais les retirer pour te les donner. Mais appelle d'abord. Je suis là. Pour que je rentre avec quelque chose à la maison. Tu as toujours peur, mec. Appelle Emeka. Pardon. Relaxe-toi, mec. Ah. Je ferai un appel. Ok. Calme-toi. J'aimerais que tu le fasses à ma présence. Il n'y a rien à t'inquiéter, mec. S'il te plaît, appelle. Fais l'appel. Mon amour. Oui, chérie. Djeko était en train de te chercher depuis hier. Oui, bien sûr. Il fait face à quelques problèmes dans ses affaires. Et voilà, il était venu pour de l'assistance. Ok. Oui. Quel genre d'assistance? Bébé. Occupe-toi des affaires, non? Et que je suis. Et permets à sa femme de prendre soin de moi. Et tu veux accepter? Alors s'il te plaît. Ta femme et ton amour, j'ai le droit de connaître tout ce qui se passe autour de toi. Et tu es sérieuse? Sais-tu pourquoi je ne te dis rien? C'est parce que mon père ne disait pas tout à ma maman. Hein? Il y a des choses dont il ne discutait pas. Hein? Il était juste question de réparer un petit dommage. J'ai pris Dieu que ce business aille de l'avant. Et tout se passera bien, ne t'en fais pas. Est-ce que tu as compris? Ok. Oh, vraiment, vraiment. C'est vraiment ça. Vraiment. Ça nous amène toujours en surprise. Oh, oui. Seigneur. Seigneur, merci beaucoup pour nous avoir montré cet amour. Bien. Je vous suis vraiment reconnaissant. Je pensais que tu m'avais abandonné. Et comment devais-je t'abandonner? Bien sûr, je comprends le fait que vous aviez beaucoup de réunions particulières. Oui, nous n'avons vraiment pas eu le temps d'avoir un entretien beaucoup plus personnel. C'est ça les affaires, non? Oui. Monseigneur, je vous ai invité ici juste parce que je voulais vous parler du cas d'un ami à moi, un très très vieux ami. Ok. Oui. Vous connaissez nos pratiques. Ça, c'est notre problème. Vous savez très bien comment la coutume de ce pays est. Vous avez maintenant une idée? Donc, je vous ai demandé si vous pouvez nous aider sur quelque chose de ce sens-là. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ton ami a tous les documents? Bien sûr que oui, j'en ai.
Et de toutes les façons, je vais vous le rendre avant que vous partiez. Tiens, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Je vais mettre directement en action. Ce n'est pas le seigneur de C'est vrai. Ah, de toutes les façons, qu'est-ce qu'il y a les documents en fait? Et tous ces documents Je sais pas, mais non, mais c'est que je sais que vous avez vraiment pas ce problème. Seigneur de Seigneur, avec tous ces problèmes, tu connais très bien notre vie. Les affaires, c'est ça. Toujours bosser pour l'argent. Question de juger des investissements. J'avais vu votre dernier cadeau. Oh. C'était vraiment cool. Oh. Mais c'est comme celle-là. Picalobi. Oh. On est des très grandes personnes. C'est une très bonne chose. Alors, on va faire ceci. Je vais demander au chef cuisinier de préparer quelque chose. Oh non, mais t'en fais pas. Mais le plus important, c'était que quand j'ai vu ton appel, je me suis dit, Amy Becker m'a appelé. Je dois venir. Parlez-moi, pourquoi ce genre de situation? Mais à cette question, je répondrai que je ne sais pas. Mon mari essaie par tous les moyens de contacter ses connaissances, mais ça ne marche toujours pas. Notre seul espoir est en Dieu. Ah, mais nous essayons de voir les choses de loin. Es-tu sûr que cela va produire de bons résultats? C'est pour ça que nous prions. Mais mon mari a dépensé beaucoup d'argent pour ses marchandises. Éventuellement, tout ce qu'il possède. Ah, je sais, ma sœur. Mais ne t'inquiète pas. Dieu est un Dieu merveilleux. Laissons-toi à Dieu. Amen. Je vais soutenir ses projets dans la prière. Chai. Né, merci. Tu es vraiment une bonne amie. Que Dieu te bénisse infiniment. Qu'il te bénisse aussi, mon cher. Merci. S'il te plaît, j'allais vraiment oublier. Comment prépares-tu l'anniversaire de votre mariage, chérie? Dis-moi. Je ne suis au courant de rien. Oui, je l'avais fait. Tout va bien. Mm-hmm. J'ai déjà des tenues pour mes amis. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Hey! Dis-moi que t'es pas sérieuse. Mais cette fête-là sera géniale. Hein? Nous allons mettre l'ambiance. Oui. Mais j'attends impatiemment ces jours. Tu en auras. Oh, désolée, pardon, mes manières. Qu'est-ce que je t'offre depuis que tu es là? Je ne t'ai rien donné. S'il te plaît, je vais bien. Ça va? Mais qu'est-ce que tu racontes? Emeka, non. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Hein? Tu m'avais dit que tu as quelqu'un là, tu as quelqu'un à l'intérieur en train de faire quelque chose. C'est exactement ce qu'il m'avait dit. Hein? Malheureusement, il m'avait assuré aussi que tes marchandises ne pourront plus. Pourquoi? Mais tu avais importé les travaux. Non, ce n'est pas ça la raison. Tu ne lui avais pas dit qu'il y a aussi son pourcentage. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas un homme d'affaires. Tchéco, qu'est-ce que tu veux dire par Mon là? Cher, tu n'es pas un homme d'affaires. Non, mais Tchéco, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te dirai ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu appelles tramadol? C'est une affaire comme toute autre. C'est les affaires que j'ai toujours fait depuis longtemps. Hein? Tu ne peux pas m'apprendre comment faire les affaires. Je suis chevronnier de ces affaires. J'ai couru des risques. J'ai mis la tête là où les gens ne mettent pas les leurs. Mon cher, ce n'est pas aujourd'hui que tu peux m'apprendre comment faire les affaires. Ah, mon cher, aide-moi si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Comment peux-tu importer le tramadol dans un pays comme le Nigeria qui considère cela comme la drogue? Pourquoi? Est-ce qu'il y a le mal avec ça? C'est les affaires. C'est les affaires. Hein? Tu devrais te considérer chanceux. Le fait que tu ne sois pas maintenant à la station de police. Pourquoi? Pour avoir importé le tramadol, non, mon ami. Pour faire les affaires. Je suis un homme d'affaires. Tu sais comment on dit? Tu veux que je rentre à la maison? Je ne vais pas rentrer à la maison. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tu vas m'aider avec les enfants. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Aide-moi. Hey, Tchéco, qu'est-ce qu'il y a? Mec, arrête de crier. Tu cries beaucoup, mec. Mais je dois crier. Non, tu dois te calmer. Ne m'abandonne pas, mon pote. Non, tu sais quoi? Je pense que nous devons aller au club. Comme ça, tu vas boire et tu vas vraiment te calmer. Club? Oui, now. Je ne pars pas là-bas. Tchéco, accorde un peu de repos. Tu cries, Tchéco, calme-toi. Non, mon cher, tu as refusé de m'aider. C'est la raison pour laquelle tu m'envoies au club. Et or, je comptais vraiment de toi quand je venais d'ici. Tu as vraiment besoin de quelque chose qui va t'apaiser. C'est de ça que tu as besoin, Je n'en ai pas besoin, franchement. Tchéco, essaye de t'apaiser maintenant.
Nous devons aller au club. Je sais ce que tu aimes. Danembubamba. Je sais ce que tu aimes, mec. Tu aimes les plus gros. Allons au club, mec. Tu vas aimer. Je te promets, je vais dépenser de mon argent pour te mettre à l'aise. Ce n'est vraiment pas un problème. Hein? Oui, Jeko. Oui. Vraiment, je vais pas chercher tous mes documents. Je vais tout apporter. La fille est quand même venue. La plus belle fille de tous ces villages. Oh, Oyoma, bon après-midi. Où est-ce que tu vas? Ma mère m'a envoyé au marché. Ok, ok. Ah oui, je suis dans le flou. Hein? Tu m'as mis de le noir à cause de cela. Ifani, s'il te plaît, je suis pressée. Parlons prochainement. Hein? C'est comment? Pourquoi ne pouvons-nous pas en discuter ici? Discuter sur quoi? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Oh. Santo, mais pourquoi tu agis de la sorte contre moi? Hein? Mais pourquoi tu me donnes les excuses l'une après l'autre? Hein? S'il te plaît, dis-moi tes ressources pour que je puisse les savoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'intimider? Tu cries sur moi, c'est ça? Pas de problème. N-N-O. Non. D'accord. Santo, ce n'est pas comme ça que je disais. Santo, mais pourquoi cette fille est aussi compliquée avec moi? Pourquoi? Hein? Elle en dit son cœur, c'est comme si j'étais pas beau. Pourquoi encore ça? Vois-tu quelqu'un d'autre dans ce village? Je la laisse, elle n'est pas meilleure. D'ailleurs, il y a beaucoup de filles. Je essaie de t'appeler depuis. Hein? Hé, je ne t'ai pas perdu. Aïe. Amanda, tu ne dors pas encore? Tu es toujours assise, tu ne dors pas? Hein? Seigneur, as-tu pris de l'alcool? Je ne suis pas ivre. Donc, nous sommes arrivés à ce niveau. Tu commences à prendre de l'alcool, c'est ça? Hein? Amanda, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu que 2 bouteilles. Hein? Tu as pris juste 2 bouteilles? Oh, femme, c'est quoi avec toi? Tu es une femme. Tu ne sais pas pourquoi j'ai bu. Jeko? Tu ne sais pas ce qui dérange ma tête et pourquoi j'ai bu. Qu'importe le problème que tu as en tête. Prendre de l'alcool n'est pas du tout une solution. Je vois. Venir à la maison, c'était une mauvaise idée. Comme ça, je rentre d'où c'est je viens. C'est pas du tout ce que je dis, Jeko. Qu'est-ce que tu veux dire, Amanda? Tu veux dire quoi? Regarde, je suis fatigué. Il me faut du repos. Je suis à la maison. Enlève-moi les chaussures. Les chaussures. Santo! Santo, Chuku! Santo! Anayo, où est ta sœur? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire là-bas. Oui, elle est partie voir son homme, je crois. Petite amie? Oh, mais oui. Quelle petite amie? Maman, je ne sais pas. Cette fille a beaucoup d'hommes. Elle en a beaucoup. Beaucoup. Mais Dion, tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Anayo, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veilles pas sur ta langue? C'est ton problème, hein? Bon après-midi. D'où est-ce que tu viens? Je suis allé voir mon ami. Tiens, hey, dis la vérité. Et quel ami tu es allé voir, hein? Et tu es allé voir un des hommes que tu as. Anayo? Hé, hey, tais-toi. Anayo, je t'avais prévenu. Je ne le répéterai pas. Maman, je sais ce que je dis. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Anayo, je ne te le permets pas. Elle a beaucoup d'hommes. Je dis. Arrête! Même si tu les frappes, mais je dirais la vérité. Tu es allé voir tes hommes, tu es allé étudier à Emeka. C'est bon, ça suffit. Santo Choco, c'est ton petit frère.
Tu dois apprendre à tolérer ses bêtises. Maman. Tu n'as pas son âge, tu ne peux pas suivre tout maman, ce qu'il dit. Je ne vais tolérer aucune insulte de lui. C'est bon. Maman, on ne peut pas. Je sais que tu ne bouges pas. Ça suffit. Tu continues à me parler. Laisse-les partir. Santo, tu cours. Ne les suis pas. Allez, reviens. Tu as beaucoup d'hommes et tout le monde. Anna, tais-toi, c'est ta grande sœur. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment la raison pour laquelle j'avais payé cette marchandise. Je n'espérais pas qu'en ce moment, ni l'argent, ni la marchandise devaient m'être rendus. Je te comprends, mais tu sais que souvent, ça ne se passe pas comme ça. Calme-toi. Je poursuis ces problèmes, que ça ne te dérange pas. Je vais trouver la solution. Le problème qui est là, je cherche à faire sortir tes marchandises. Oh, regarde, c'est soit mon argent, soit la marchandise. Écoute, mon cher, calme-toi. Comment tu peux parler de l'argent à ces points? Hein? La marchandise arrive. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que j'essaie de me raconter? Je t'ai dit de parler de ma marchandise et tu veux t'aimer à mes discours ici. Mais mon cher, tu vis dans ces pays, hein? Tu ne sais pas comment tout se passe ici? Tu es en train de parler comme si tu ne sais pas comment les choses se font dans ces pays. Au moment que nous parlons, la marchandise arrive. Je vais faire de mon mieux. Tel que nous parlons, la marchandise arrive déjà. Tu sais, tu je le sais, tu finiras à prendre ta marchandise. Tu sais ce que ça m'a causé. Tu vas prendre tu ça. Tu sais ce que je ça m'a causé désolé. Comme dommage. Regarde, du coup, je ne t'accorde qu'une seule semaine. Soit tu me fais la livraison de ma marchandise, hein, soit si tu me rembourses mon argent. Si tu ne le fais pas, je te traduirai en justice, je te promets. Tu vas m'aider dommager. Non, je t'assure que ça n'arrivera pas à ces points. Ça doit y arriver. S'il vous plaît, ça n'arrivera pas. Je t'ai dit que ça doit y arriver. Comment tu blagues avec moi? Ça ne va pas bien. Calme-toi. Non, 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 non. Ne me demande pas de me calmer. Je t'ai dit la vérité. Ne me demande pas de me calmer. N'importe quoi. Hé. Hey. Hé. Hey. Non, 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 ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, ça devient difficile. Santo! Anayo! Venez! Vite, au portail, ton frère est là. Fais vite. Santo, Chuku, mais maman? Où est-il? Ton frère est venu. Hein? Oui. Grand frère Djeku? Hey! Grand frère Djeku? Hey! Hey! Laissez-moi voir mon grand frère! Hey! Djeku, mon fils! Attends, mon fils! C'est mon grand frère! Attendez! Hey! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Hey! Doucement, 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 doucement. Merci, maman. Maman, comment ça va? Je vais bien, mon fils. Bien. Tu apparais belle. Tu es en bonne forme, maman. Comment ça va? Regarde-toi. Hein? Aneto. Oui. Il va avoir même taille que moi. Tu le vois maintenant? Oh, elle va bien, elle va bien. Elle vous a salué aussi. Hein? Regardez-le. Maman, comment ça va? Je suis contente de voir mon fils. C'est bien. Je suis là maintenant. Hein? Je sais. Oh, maman, tu m'as manqué. Tu m'as vraiment manqué, maman. C'est garçon n'est fait que manger. C'est lui qui a fini ma vision. Oh, ne t'en fais pas. Hein? Je suis là. Je m'en chargerai. Hein? Venez, venez, venez. Fils. Venez, entre ensemble. Hein? Tu m'as manqué. J'aime cette tresse. Merci. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Anayo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Désolé, messieurs, est-ce que votre sœur est à la maison? Votre sœur est à la maison? Ma sœur n'est pas là. Elle n'est pas là? Mais il y a un moment que je l'ai vue de l'autre côté. Elle n'est pas là. Elle avait voyagé il y a quelques jours et elle n'est pas encore revenue. Elle a voyagé. Ok. Est-ce que tu peux m'aider à lui passer mon numéro comme ça elle pourra m'appeler à son retour? Elle n'a pas de téléphone. Et moi non plus, je n'ai pas de téléphone.
Ok. Alors, comment est-ce que je peux... est-ce que tu peux m'aider à lui dire que c'est important? Regarde, oublie cette bêtise que tu racontes ici. Parce que ici, une fois que maman sera là, elle te fera des problèmes. Ok, je suis désolé. Quand elle sera de retour, dis-lui que je suis passé la voir. Attends, je crois que tu as amené ces histoires ici pour elle. C'est une petite surprise que je lui avais réservée. Où tu veux que je te la donne pour lui garder? Mais donne-moi, non, à son retour, je vais lui remettre. D'accord, merci beaucoup, merci. D'accord, je lui dirai, ok? N'importe quoi, idiot. Et tu veux venir voir ma soeur? Anayo. C'était qui? Non, ce n'était personne. J'ai entendu parler à quelqu'un. Ne te dérange pas. Tu sais, non, je t'avais dit que je serais bientôt un musicien et je m'exerçais. Toi, mais quoi? Comme tu es là, tu ne sais même pas faire doré. Et qu'est-ce que toi racontes? Arrête de faire des idées. J'en avais parlé à mon ami pour investir dans les affaires. Si j'ai eu son investissement, si son argent touche ma main comme ça, laisse le reste, je peux vous démontrer l'investissement. Je peux vous rassurer que vous allez gagner 100% d'intérêt. Je suis un homme d'affaires, je suis dans les affaires. Je suis en train de vous démontrer, Chief. J'en ai déjà gagné beaucoup. Il y a beaucoup de trésors dans cette affaire, c'est une bonne affaire. Il n'y a pas à vous inquiéter. Je vous dis franchement que vous allez récupérer votre argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Chief, vous allez faire un bénéfice de 100%. De ce que vous m'aviez donné. Ce n'est pas ça, mon cher? Apaise-toi. Non, mon cher. Tu dois vraiment comprendre que cette affaire est rentable. Ce n'est pas seulement que j'ai besoin de l'argent, mais je vous assure que cette affaire, c'est vraiment mon talent. Et c'est bien, alors. Alors, de combien est-ce que nous parlons? Chief, vous savez que vous l'avez déjà fait et ça peut arriver à 80 millions, à 100 millions. Ça, c'est juste pour commencer. Et si vous me faites confiance, vous me donnez l'argent et que je trouve le bénéfice, ça peut s'augmenter. Je peux vous rassurer que je ne peux pas vous plonger dans l'échec. C'est très bien. Je vais te donner 150 millions de naira. En addition de 300 millions de naira sur cette somme. Hey! Chief! Vous voulez me faire un millionnaire? Chief, Aneto, désolé. Chief! Vraiment, je vous assure que vous n'allez pas faire échec. 1,50 maintenant, ça fait 450. Emeka, ça fait, écoute bien, 450 millions. Hey! Chief, j'étais en train de lui dire que j'ai vraiment une affaire de rentabilité, je vous dis. Si j'importe vraiment cette marchandise... Appelle à tous ceux-là que vous avez confié le marché d'arrêter. Je vais tirer ces marchés jusqu'au plus bas. Je suis un homme d'affaires qui sait bien maîtriser les climats d'affaires. J'ai la maîtrise de ce que je vous dis. Hey, mon Chief! Chief, merci. Merci beaucoup. Merci, je suis heureux. Encore quelque chose, Chief. Je suis désolé, je suis vraiment excité. Mais dans les affaires, il faut qu'il y ait toujours l'accord. Parlons concernant l'accord, je pense que vous allez comprendre. Quand est-ce que vous voudrez que je vous... rembourse l'argent. Je demande parce que j'ai mes hommes à Singapour. J'ai mes hommes en Chine. Parce que vous savez, quand la marchandise arrive, quand les conteneurs arrivent, on le prend pour payer. Je vais vous payer pour ne pas vous rendre un mauvais service, Chief. 150 millions de naira, plus 300 millions de naira, 400 millions. C'est beaucoup d'argent. Chief, c'est bon. Ne te donne pas la peine de chercher toujours à aller rembourser cet argent à nos délais. Ok? Évolue dans tes affaires, fais-toi plaisir et prends soin de ta famille, d'accord? Chief, désolé, je ne vous ai pas bien écouté. Vous dites, vous venez de dire que je continue seulement avec les affaires. Donc je continue seulement avec les affaires, n'est-ce pas? Donc je vais seulement commencer à tourner l'argent. Tourner. Et vers la fin, quand vous vous sentirez comme, Chief, je peux chercher déjà le papier pour recevoir ces millions. Je suis devant un homme riche. Quand vous allez commencer à recevoir, Chief, c'est beaucoup trop d'argent. 1 milliard de naira. Tout ça, c'est à vous seul. Chief, merci beaucoup. Maintenant, reposez-vous calme dans la maison. Chief, que Dieu vous bénisse. Dieu va vous bénir. Chief, Dieu va vous bénir. Vous savez que ça, c'est une récompense. Quand il m'a dit qu'il devrait m'amener ici,
Je me demandais qui me donnera vraiment cette somme d'argent. Chief, je suis vraiment content. Né, j'étais vraiment étonnée quand mon mari m'avait tout raconté. Il m'a dit comment ton mari l'a aidé avec son business. Ah, ma chère. Pourquoi tu le dis maintenant? Tu ne l'avais pas mentionné. Amanda, nous sommes une famille, ok? Maintenant, dis-moi, si mon mari ne compte pas sur ton mari, ça serait qui? S'il te plaît. J'espère que tu n'es pas venu juste pour ça. Mais laisse tomber. J'avais déjà commencé à vous remercier, ton mari et toi, depuis l'entrée de votre avenue. J'espère que vos voisins ont vu. Pourquoi ne pas vous remercier? Écoute, il est vrai que je suis venue vous rendre visite. Mais ma chère, je profite de cette occasion pour vous remercier, ton mari et toi. Non, 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 ce n'est rien. Ce n'est rien, ok? Ok, c'est bon, raconte. Comment va notre mari? Notre mari va bien. Je suis là voyager pour les affaires. Il reviendra bientôt. Ok. Alors, que puis-je t'offrir? Ma belle, s'il te plaît, je ne prendrai rien. Je suis fatiguée de fêter. Je n'en peux plus. Je ne suis pas venue pour ça. Arrête ça. Ne dis pas ça. Nous ne pouvons jamais arrêter de célébrer, Amanda. Mon amour, ouvrons une champagne. Champagne, comment ça? Ha! Mais, je suis fatiguée, s'il te plaît. Je suis fatiguée jamais, de fêter. Et sans effet. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de célébrer. D'ailleurs, j'ai commandé une bouteille pour toi. Yeah. Prends une champagne. Prends une champagne. Hey, ma chère. Arrête. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de célébrer. Oh. As-tu besoin de quelque chose? Non, ma chérie. Ça va, merci. Ça suffit, ma chère. C'est bon, allez, laisse, je vais l'ouvrir. Pourquoi ne pas chanter, ma belle, pendant que nous ouvrons la bouteille? Allez, vas-y, chantons. Ça, c'est quel document? Mon boss, Okajuku me dérange vraiment beaucoup. Je dois l'apporter. C'est chèque de 10 millions de naira. Oh oui, sans problème, sans problème. Tu vas retirer 10 millions de naira. Montre-moi un peu ces documents. Comme ça, tu vas les retirer sans problème. Ces petits retards, hein? Pas les coups. Hein? D'accord. Ok. Ok, tu peux aller retirer maintenant. Monsieur Tchekou! Non, monsieur Tchekou! Monsieur Tchekou, c'est vraiment inacceptable! Regardez, et qu'est-ce qui ne va pas avec vos hommes? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont refusé de me livrer la marchandise! En fait, je ne veux plus tolérer cela! Vous m'avez pris du temps! Non! Vous m'avez pris du non, temps! Non, 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 non! Hein? Calme-toi! C'est comme si vous suppliez de me rendre ce service! Calme-toi! C'est quoi ça? Je suis ici pour toi, hein? Je suis là pour toi! Pourquoi? Pourquoi? Mon cher, oh? Calme-toi! Dis-moi, c'est quoi ton problème? Ils ont refusé de me libérer la marchandise! Un instant. Aïcha, oui, viens dans mon bureau. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Est-ce que tu ne veux pas t'asseoir? Non, 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 je ne veux pas m'asseoir. Aïcha. Je suis là, monsieur. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne lui livres pas la marchandise? Monsieur, cet homme ici présent cherche à créer un drame. Je lui ai gentiment demandé le reçu et il s'est mis à crier. Ça serait une folie, c'est une folie. Ne t'inquiète pas, je gère la situation, calme-toi. Est-ce que tu sais que cet homme est l'un des meilleurs de nos clients? Hein? Non, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as jamais entendu dire que le client est roi? Hein? C'est l'un des meilleurs de nos clients qui a toujours déposé 20 millions de naira. Est-ce que ton père peut avoir 20 millions? Tu trouves que c'est facile? 20 millions de naira. Tu veux jouer parce que tu te trouves à ce poste? C'est pourquoi tu blagues? Tu sais quoi? Désolé, désolé, vraiment désolé. Je veux que tu, hein? Appelle Chukuka. Ça, c'est le numéro de Chukuka. Ça, c'est le numéro de Chukuka. 080-33-2103. Chukuka. Chukuka. Hein? Appelle Chukuka maintenant là. Dis-lui que le boss a dit de lui livrer sa marchandise. Hein? Appelle-le vite avant qu'il ferme pour rentrer. C'est prudent pour toi, mec. D'accord, monsieur. Et sinon, mon cher, calme-toi. Le sensuel, c'est d'avoir votre marchandise, hein? Elle va l'appeler avant qu'il ferme les bureaux pour rentrer. Je vais personnellement réceptionner ta marchandise hier. Je te fais confiance. Oh, mon cher, pourquoi t'es trompé? Je ne veux pas aller là-bas sans voir ma marchandise. Tu auras ta marchandise.
Quand tu m'appelles prochainement, appelle-moi pour partager un verre. Si t'as les heureux de faire avec toi les affaires. C'est un plaisir. Mon cœur. J'attends ton appel pour voir. Mon cher ami, tu aimes beaucoup l'argent. Je sais comment les clients m'embêtent. Bac. Je te l'ai dit, ma belle. Tu ne vas pas croire, on y va. Ma belle, passe devant. Tourne devant et tu verras de toi-même. Okay. Vas-y. Tu vois ce dont je t'ai parlé? Taran. Taran. Amanda. Taran. Attends. Amanda. Né, fais le tour. C'est ton regarde bien. Amanda. Oh. Amanda. Oh ma chère, c'est tellement beau. C'est depuis quand? Né, je le savais depuis 1906. Écoute, le jour que c'était arrivé, j'étais abasourdie. Mais j'avais l'impression de voler. C'est comme si je rêvais, je n'en revenais pas. Je pense yeux. Que tu n'iras pas t'envoler. La prochaine fois que tu viendras, peut-être que ce sera le cas. Ne t'envole pas haut. Oh ma chère, c'est vraiment une très bonne chose. Merci ma chère, merci. T'inquiète pas, je vais bien conduire. Allons-y. Je dois d'abord ramener cette caisse à l'église pour que le pasteur puisse la bénir. Ensuite, nous irons faire un tour, ma belle. Hey. Regarde-toi, allez, on y va. Quelle belle voiture. Hey, tu auras le temps de regarder, on y va. On y va à la maison, partons manger. J'ai envie de monter. Préparez pas d'y aller. Mais voyez-moi cette fille. Angela, on y va à la maison. Laisse-moi haut. Allez, on y va à la maison, les repas refroidis. Bon, je sais même pas pourquoi je pars en temps avec toi. Je m'en vais. Très bien, mon ami. Très bien. Allez, Angela, on y va manger. Arrête de dramatiser. Partons. C'est quoi ton problème? Je suis très contente pour toi, mon ami. Patiente, tu verras. La prochaine fois, tu verras. On va danser. Il suffit seulement que le pasteur bénisse et tu verras. Ne dis pas ça. Sinon, je viendrai voler ça la nuit. T'es vraiment malade. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je ne vais pas. Laisse-moi, c'est quoi tes problèmes? Laisse-moi. Regarde. Tu me provoques. Laisse-moi tranquille. Je t'ai eu aujourd'hui. Maman n'est pas là pour te défendre. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as dit à mon ami qui était venu ici hier à propos de moi? Qu'est-ce que j'aurais dit? Comment es-tu toi? Tu me reposes la question. Laisse-moi. Regarde. Laisse-moi tranquille maintenant. Laisse-moi tranquille. Insensé. Idiote. Viens encore. Je vais te lancer sur ma bouche. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu te plains. C'était pas toi qui m'as collé. Tu es de la cisse parce que tu es ma grande sœur. Sinon, je vais te frapper. Tu plaques avec moi. Laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse pour moi et pour mon amoureuse de femme. Je partage cette joie à présent avec un bon nombre de personnes. J'ai beaucoup d'amour et d'estime à cause de ce qu'ils ont fait dans ma vie.
Emeka. Ah, Chukwu. Aïe. Je ne peux pas t'oublier. Chaque fois, je me rappelle de ce que tu as fait de moi. Parce que tu es un bon ami. Tu es un ami du genre où tout le monde aimerait avoir. Vous voyez, au moment où j'étais submergé, au moment où je ne savais pas qui pourrait venir me relever, c'était ce jeune garçon qui était venu à mon aide. Il s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre. Il faut des gens comme ça. Amaka, je te félicite beaucoup. J'avais avalé beaucoup d'eau. Je veux dire que je peux espumer à peu près à 2 litres d'eau. Mes portes sont ouvertes. J'ai souri aujourd'hui. Emeka, pourquoi les dieux ne continueront pas à te bénir? Ils continueront à te bénir. Hein? Je veux le déclarer devant tout le monde ici présent que je t'aime beaucoup, mon frère. Et je t'apprécie. Hein? Oui. Olonyanya, vous voyez qu'à ma gauche, j'ai mon grand chief. Odiette, Odiette. C'est moi. Vous savez que votre présence ici, c'est parce qu'il m'a beaucoup honoré. Je suis très content. Il est l'un de ces gens. Sont des personnes qui sont là pour orienter les autres vers la réussite. Hein? Et je sais qu'avec lui, nous allons encore célébrer aux prochaines occasions, 1, 2, 3, 4 fois. Hein? Merci beaucoup. Sois la bienvenue. Hein? Et d'autres personnes qui sont ici. Vous êtes ici parce que vous êtes importante pour moi. Vous avez joué un grand rôle dans ma vie. Écoute, ma chérie, si tu te retrouves dans une joie pareille, il faut toujours la partager avec les gens. Auquel, à ma chère femme, tu es la joie de ma vie. Je vais dire, tu as été à mes côtés dans les pires comme dans les meilleurs. Bienvenue à la fête. Hein? Révérend père, oh, bienvenue. Frère. Ah, mon frère Djokou. Oui. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir aidés. Je ne peux pas les décrire. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Qui enrichit. C'est vrai. Parce que ces grands trappes n'est que fruit des grands efforts. Il est vraiment connu de tous. C'est devant lequel nous sommes réunis est un grand chef-d'œuvre. C'est ça. Parce que je sais que cet édifice qui est construit est vraiment pour la gloire du Très-Haut. Nous sommes tous invités ici pour célébrer ce grand travail abattu. Amen. 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 Et laisse que tous les œuvres de demain soient bénies. Amen. 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 Et tel que nous sommes réunis ici présents, on prie que d'autres puissent avoir des œuvres. Amen, oui, amen, amen, amen. 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 Nous prions et nous scellons cette maison dans le nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit. Je m'en vais couvrir cette maison. Je m'en vais la couvrir par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout ce que tu feras puisse aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit avant, nous allons couper ce ruban dans le nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ok, entrez, entrez, venez avec moi, entrez, merci. Entrez s'il vous plaît, entrez. Du Saint-Esprit contre tous mes démons, contre tous les principautés, au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, descend au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens combattre pour Angela. Moi. Oh Jésus, hein? Le sang de Jésus, le feu de Jésus, au nom Angela. Puissant de Jésus. Que signifie tout ceci? Ne puis-je plus vivre en paix dans ma maison, car à quoi servent tous ces bruits? À cette heure, vraiment. Mon amour, j'étais juste en train de prier. Je t'en ai parlé déjà, je crois. Et je vais t'en rappeler. Pas de grossesse chez moi à la maison. Dans ma propre maison? Ne me cherche pas. Je ne peux pas prier dans ma propre maison. Ne me cherche pas. N'ose même pas de me faire de problèmes. Celle-ci est ma maison et j'ai décidé tout ce que je vais faire ici. Qu'est-ce que tu vas prendre?
avec tout ce qu'il y a comme espace ailleurs, c'est ici que je trouve moi à prier. Si tu veux prier, ferme tes yeux, concentre-toi et mets-toi à prier. Tout le monde prie de cette façon. C'est quoi ton problème, hein? Toi, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux plus de la vie de guerre. Je veux plus du bruit dans ma maison encore. Je veux plus t'en rappeler. Ça n'a pas de sens à ce que tu fais. Est-ce que c'est ta maison, ça? Ne peux-tu pas aller prier ailleurs? Père, seulement s'il dans cette te maison. Plaît. Oh, n'importe Père, quoi. Donne-moi la force. Père, donne-moi la force de surmonter tout ça. Père, délivre-lui. Délivre-lui. Délivre-lui, délivre-lui. Et réponds à ma prière. J'écoute. Il y a bien longtemps depuis que tu es passé chez moi. Je n'ai pas... Et tous nous pouvons voir que tu te fais du plaisir avec l'argent. Il est temps pour nous de demander le paiement. Je suis d'accord avec vous, Chief. Je suis tout à fait d'accord. Je savais bien qu'un jour pareil viendra. Alors, j'étais venu, mais premièrement, je vais parler de cet homme qui est assis là. Vous savez, quand ce problème m'était arrivé, quand je m'étais trouvé bloqué, j'étais allé voir beaucoup de gens. Ils m'ont rejeté. Certains me promettaient sans réaliser. Les autres faisaient semblant d'appeler, mais cet appel était vain. Mais cet homme avait fait l'appel, et j'ai vu les chiefs. Emeka, tu étais venu à moi quand j'étais dans la baisse de la vie. Et tu m'as relevé. J'ai redonné encore la vie à mes affaires. Mon pote, en tout cas, j'apprécie beaucoup. À vous, Chief. Au moment où j'étais submergé, j'ai appelé beaucoup de gens qui se disent eux-mêmes mes amis. Donc les gens m'ont rassuré même qu'on va appeler, mais leur appel était inactif. Leur appel était nul. J'ai fait recours à cet homme. Et elle m'a mené vers vous. Et aujourd'hui, je peux voir la vie en train de briller, comme avant. Tout simplement, tu es un bon ami. Je vais dire merci. Merci de m'avoir orienté. Chief, vous voyez Chief chez moi? Les gens viennent emprunter et je leur donne. Et au moment de rembourser, c'est tout un problème. Il me pousse à devenir un homme méchant, mais ce n'est pas nécessaire. Alors mes aînés qui ont déjà passé dans cette situation disent que ne faut pas regarder le mal que font les gens, il faut toujours leur faire du bien. C'est-à-dire qu'ils sortent toujours de bonnes paroles dans la bouche. Et c'est toujours de belles paroles à écouter. Mais au moment de rembourser, c'est toute une litanie d'excuses. Alors vous voyez, je vous ai connu, ça fait un bout de nuit. Et je sais que vous êtes une personne que j'aime dans ma vie. Mais je suis venu aujourd'hui non pour vous relater l'histoire, mais faire ce qui a été entendu. Messieurs, je ne veux pas que si vous m'empruntez l'argent auquel je suis venu chercher auprès de vous, je suis venu chercher 80 millions, 100 millions. J'étais venu avant pour 50 millions de naira. Je vous avais dit que je viendrais chercher 1 million. Monsieur, aujourd'hui, je suis venu pour 1 million de naira. En addition, je n'ai pas encore fini. Aussi, j'ai construit 3 maisons en location à Lagos, à Enugu, à Bunia. C'est une très belle maison VIP. Une maison de classe pour les boss comme vous. Pour vos déplacements en week-end. C'est pour présenter mes appréciations, Chief. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez fait pour moi. J'ai accepté que Dieu a utilisé Emeka pour me retrouver par votre canal. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, très bien. Oui. Merci. Oui. Si on est fait très gentil de ta part. Oh oui, je sais. Et aussi, j'ai apprécié ta gentillesse envers moi. En appréciation. Oui, l'appréciation. Oui. Tu sais, j'ai pas donné à tout le monde de se rappeler que quelque chose de très bien lui a été accordé. Je sais. Oui. Je sais. Ça montre que tu es un bon garçon. Oui. Merci. Mais alors, nous, dans ce club, n'acceptons pas de l'argent comptant comme paiement de nos offres.
vous ne voulez pas que je fasse les remboursements, que je les garde encore? Du coup? Oui. Calme-toi. Ok. Je te conseillerais de l'écouter attentivement. Ok. Là, de quoi te dire? Oui, je... Alors, merci beaucoup, Tiff. Tout expliqué. Merci, Tiff. Dans ce club, est-ce que nous gagnons comme on retourne dans tous nos prêts? Et ça s'appelle le sang. Et dans ce cas, il s'agit bien du sang de ta femme dont nous avons besoin. Diego, vous voyez un peu ce qu'il cherchait à dire. Nous croyons en une fraternité. Mais avec le sacrifice sanguin, nous allons tous aller au-delà de tous. Hein? Voilà. Un instant. Je n'ai pas bien compris. Emeka? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis dans le pacte. Emeka? Emeka, tu m'as amené dans un club de pacte. C'est ça? Non, réponds-moi. Tu ne m'as pas dit que tu vas m'introduire dans un pacte. Ok, recommençons encore. Chief, je sais que je vous ai demandé 1 million de naira. Et j'avais ajouté que, et si vous en avez besoin, je vais le récupérer à mes hommes. Je vais dire à mes hommes de me donner 2 milliards de naira pour que vous laissiez ma femme et moi-même libres. Parce que honnêtement, Chief, je ne peux pas accepter. Les gens m'appellent Alouciego, l'homme qui vit auprès des gens. J'aime aimer les gens, c'est un don pour moi. Vous comprenez, je suis également philanthrope. J'aime secourir les gens, leur venir en aide. C'est gratuitement, je ne leur demande rien, je ne prends rien. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi libre. Bref, mettons un terme à ces débats. 5 milliards de naira, s'il vous plaît. Pour mettre fin à cette causerie. Merci beaucoup. Du coup. Oui. Je n'accepte jamais quelque chose que l'argent peut acheter comme retour sur tout le prêt que je donne. Qu'est-ce que vous me proposez de faire? Comme je vous dis, ce soit le sang de ta femme ou rien d'autre. Oh, vous voulez le sang? Ne vous en faites pas, j'irai au marché chercher un fou et l'amener ici comme vous avez besoin du sang. Comme vous voulez boire du sang. Je ne savais pas que ça va être comme ça. Ça ne me plaît pas. Du coup, qu'est-ce qu'il y a encore, Chief? Et si tu ne te plais pas sur le fait que ta femme soit utilisée comme sacrifice, alors tu paieras. Alors prépare-toi à vivre une vie douloureuse, de peine, de l'agonie. Et ne dis pas que tu n'étais pas... C'est quoi ça encore, Chief? C'est quoi ça encore, ce problème du sang? Écoutez-moi bien, je refuse. Jamais, ça ne se fera pas. Est-ce que tu m'avais dit qu'on va demander le sang quand tu m'avais amené ici? Je le refuse. Mais ne me dis pas de me calmer, mon cher. Écoutez, je vais vous dénoncer. Quand vous m'avez donné l'argent, il n'y avait pas le problème du sang. Et d'emblée, vous me parlez du sang. D'où vient cela? Emeka, parle à votre chief. Je n'ai pas besoin de ces pactes. Sachez-le que ma femme est précieuse pour moi. Ma femme est au centre de ma vie. Je vous dis clairement, n'espérez rien de moi. Je n'en fais pas partie. Je vous avertis. Je vous avertis. Mec, attends. Le féticheur. Emeka, laisse-le. Il finira par revenir. Tu n'as pas toujours répondu à ma question. Angela, tu dois découvrir ce qui se cache derrière cette histoire. Tu sais que pour survivre, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière pour briser toutes les barrières qui s'élèvent contre toi. Je le sais très bien, mais le problème est qu'il ne veut plus me voir prier à la maison. Il fallait voir comment il a sursauté sur moi quand il m'a vu en train de prier. Laissons tomber seulement. Je suis déjà fatiguée de toutes les façons. Angela, si tel est le cas, alors fais des prières silencieuses. Comme ça, tu ne vas plus le déranger. Oui, prie dans ton coin et arrête de crier.
Je pense que tu as raison. Je vais continuer à chercher à savoir ce qui se cache derrière ça. Tu ne peux pas croiser le bras. Ma chère, je ne vais même plus retourner là-bas. Comme tu m'as proposé de prier silencieusement. D'accord, je le ferai. Mais ah oui, c'est ce que tu dois je faire. Je suis fatiguée de lui. Je suis vraiment fatiguée et je ne sais plus quoi faire. Sinon, comment tu vas? Je vais bien. Comment vont ça tes va. Affaires? Tout va bien. Que veux-tu prendre? S'il te plaît, je n'ai besoin de rien. Ça va. Emeka? Aïe! Non! Alusiego, vraiment, tu as raté un coup. Qui peut les croire? Hein? Comment je devrais le savoir? Comment devrais-je le savoir que Emeka, mon meilleur... Hey! Aïe! Il ne faut pas toujours parfois avoir confiance aux meilleurs amis. C'est un meilleur ami, mais je m'étonne. Emeka, mon meilleur ami, c'est un ritualiste et moi, je ne le sais pas. Comment est-ce qu'il est entré dans ses loges? Il m'a amené chez quelqu'un qui a la magie noire et maintenant il veut m'introduire dans ses loges. Non. Non. Je refuse. Je ne l'accepte pas. Jamais. Ça ne se fera pas. Hein? Comment? Je ne peux pas oser. Qu'il n'ose pas avec moi. Ce n'est pas dans cette vie que j'accepterai qu'il touche à quelque chose. Ce qui est précieuse pour moi. Pas même ma femme. Étonnant. Emeka veut que j'amène Amanda. Amanda est chère pour moi. Amanda, la femme qui me donne la vie. Amanda, qui me donne la joie et je la mène dans un loge. Non, ce n'est pas possible. Je vais chercher comment m'en débarrasser. Aïe, Alusiego, le monde est méchant. Vraiment, c'est étonnant. Moi, Alusi. Emeka est dans un loge. Je lui montrerai que Dieu est Dieu. Chérie. Hey. Oh, c'est toi, hein? Oui, c'est moi. Ah. Ah. Tu m'as effrayé. Ah, tu m'as effrayé. Ah. J'ai été fait peur. Oui, tu m'as effrayé. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Tu venais lentement, lentement. Et tu m'as touché comme ça. Ok. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, depuis que tu es revenu, tu agis bizarrement. Comment c'est ça? Comment? Tu me demandes comment? Comment? Je viens un peu de t'appeler, tu as sursauté comme s'il y avait un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? D'ailleurs, il n'y a rien. Ok, il y a quelque chose. Hein? Il y a quelque chose, quelque chose. Je suis un homme. Tu comprends? J'avais un problème qui me dérangeait. Un homme qui a vraiment beaucoup d'affaires telles que je l'ai.
On a toujours eu des problèmes. J'avais un problème et je l'ai résolu. Je l'ai résolu. Hein? Je suis à Lucie. Ça fait un peu longtemps, tu comprends? C'est un vrai challenge, mais je vais m'en sortir. Tu iras bien? Tout ira mieux. Ne t'inquiète pas. Ok. Chérie, viens. On va causer. Viens. Approche. Ma chérie, tu sais que tu es chère pour moi? Oui, je le sais. Je vais te parler concernant quelque chose. Tu vois, je sais que nous sommes vraiment proches à Emeka et à sa femme. Mais pour le moment, nous devons traîner les jambes. Hein? C'est difficile à comprendre. Nous devons d'abord le faire. Doucement. Nous allons voir avant de commencer comment nous devons encore nous associer. Voilà ce que je vais dire pour le moment. Attends une minute. Est-ce une blague ou quoi? Je suis en train de rire. Non, pas du tout. Exactement. Et moi non plus. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, je ne comprends rien. Ces gens sont nos amis. Ils sont très proches de nous. Tu m'avais dit il n'y a pas longtemps que son mari t'avait aidé financièrement quand j'avais des problèmes avec ton business. Et tu me demandes de rester Amanda, loin d'elle. Amanda, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que je ne peux pas te donner une instruction et tu l'exécutes sans me poser des questions? Tout simplement parce que je cherche à comprendre pourquoi tu veux que je reste loin d'eux. C'est parce que tu ne veux pas comprendre ce que je t'ai dit. C'est quoi ça? Je suis ton mari. Ah. C'est toi qui m'as épousé? C'est moi qui t'avais épousé. C'est moi qui t'avais épousé. J'ai les droits sur toi. Je suis le chef de la famille. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui te prend? Je te donne des instructions. Tu les rejettes, tu ne veux pas les exécuter. Et tu veux encore aller vers eux. Écoute, ne me pose pas de questions. Je n'aime pas ça. Je te dis bien de rester loin d'eux. Tu veux à ce que tu perds ta vie? Bah. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Emeka, pourquoi? Tu m'as dit que tu vas le faire et pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Pourquoi tu peux m'introduire dans un loge secret sans m'en parler? Un loge secret, Emeka. Djekou, c'est parce que j'ai essayé de te faire sortir de cette merde. Rappelle-toi quand tu es venu vers moi, tu étais désespéré. Tu étais presque par terre. Mais tout ça appartient au passé, non? Regarde-toi, Djeko. Tu es très, très, très bien habillé. N'est-ce pas que tu es riche? Non, dis-moi. C'est parce que tu es un homme méchant. C'est ce que tu es. Très méchant. Tu es supposé être mon meilleur ami. Bien sûr que oui. C'est vraiment la raison pour laquelle je me suis décidé de t'amener là. Combien de tes amis peuvent le faire? C'est le chemin que tu m'as orienté. Bien sûr, je devrais. Je te conseille, mec. Je te conseille. Fais comme il t'a été demandé. Que Dieu m'en épargne. Je les refuse. Tu es un serpent. Tu es qu'un serpent. Arrête ça, mec. Tu es venimé. Est-ce que je peux arrêter avec ce mec? Tu es un serpent. Mec, arrête ça, arrête. Qui est-ce qui t'insulte? C'est quoi ton problème? Qui t'insulte? Arrête ça. Qui est en train de t'insulter? C'est quoi ton problème, mec? Apprends à agir comme une grande personne. Apprends à agir comme une grande personne. Tu ferais mieux de te taire. Tu n'as aucune leçon à m'apprendre. Calme-toi, mon cher. Tu es un simple occultiste. Qu'est-ce que tu veux me dire? Inutile. Tu veux aussi lever ta voix? C'est quoi? Je pense que tu voulais que tout soit clair. Et c'est exactement ce que je n'arrive pas à comprendre. Hein? Donc tu voulais que je puisse venir te dire je vais utiliser un ongle mystique, du coup, et qui peut te donner 450 millions gratuitement? Quelle est cette banque qui te donnera cet argent gratuitement, du coup, dis-moi la vérité. Dis-moi vrai, qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce à quoi tu penses. Tu penses que c'est ton travail dur qui t'a apporté cet argent. Mensonge, détrompe-toi, mec. Djeko, il y a une force cosmique qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es ici. Donc, je te conseillerai pour la toute dernière fois. Fais comme cela t'a été demandé. Sinon... Sinon quoi? Inutile, tu es fou, ferme-la.
Qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu vois moi, Alusiego. Je suis le dieu d'argent. Tu le comprends? Hein? Tout argent que j'ai gagné avant dans ma vie, ce n'est pas ton homme occulte qui me l'avait donné. C'est impossible. Jekou. Ne te glorifie pas de ce qui n'est pas de ta sueur. Quand tu n'as rien travaillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi, Alusi. Laisse-moi te conseiller. Je te dis que c'est moi, Alusi. Alusi, ce n'est pas ce que tu dis. Hein? Alusi, ce n'est pas intéressant. Laisse-moi te dire quelque chose un peu. Tu as besoin d'entendre ça. On ne peut pas toucher au feu. En tant que qui? Sinon, tu seras brûlé. En tant que qui? Tu comprends? Non, réponds-moi. Mais en tant qu'ami, je te conseille. Je ne peux pas être un ami à un occulte. Et Meka, je ne peux pas. Une fois encore, écoute-moi. Tu vois ces loges, c'est à vous. Je ne peux y entrer. Je les refuse. Je vous l'avais dit. Je n'en ferai pas part. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et Buratazo, il fait beau quitter. Et Tchikeke est beau. Écoute mon conseil maintenant avant qu'il ne soit tard. Je te préviens, Djekou. Écoute-moi bien, mon pote. Je t'ai promis. Nous verrons. Je suis le dieu de l'argent. Vous, avec votre loge, vous serez derrière. Hein? Il n'y a rien qui arrivera. Dis à ton grand maître que je n'en fais pas part. Hein? Oui, je vous ai dit clairement, restez loin de ma femme. Djekou, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est ce que j'ai dit. Djekou. Djekou. Un bon attendeur, salut. Djekou. Non, 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 ne me tirez pas, ne me tirez pas. Oh mon Dieu. Dieu merci, ce n'est pas qu'un rêve. Ça doit être une révélation. Mon frère va être protégé. Je dois parler à mon père de ça. Pourquoi elle n'est pas encore entrée? Maman? Maman? Des baisers. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui te dérange? C'est toi qui me trouble. Comment? Tu refuses de me dire ce qui se passe. Je te pose des questions, mais tu ne me donnes pas de réponse. Mais je t'avais répondu que je vais bien, hein? Je vais bien. Je vais les résoudre. Je vais les résoudre. Je suis un homme. Hein? Que cela ne te dérange pas. Je fais face avec. Hein? Puis-je te poser une question? Ha! Tu veux me poser la question? Ok, allez-y. Je suis là. Hein? Pose-moi, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu en guerre avec Emeka? Écoute-moi bien, mon amour. Il y a certains problèmes auxquels je ne veux pas te mêler, pour que cela ne dérange pas ton humeur. Mais je veux assez que tu saches une chose. Tu t'envoles sous mes ailes. Et je n'accepterai pas qu'une chose de mal t'arrive. Tu m'entends?
Hein? Tu es l'unique femme que j'ai dans ce monde. Oublie toute la richesse et les éloges à Luciego, oublie-les. Je suis d'accord avec toi. Tu es mon monde. Hein? S'il te plaît. Hein? Souris un peu. Hein? Enlève cette humeur de ton visage. Les belles femmes n'ont jamais eu de tels visages. Oh, tu ne le sais pas? Hein? Odi baiser. Ma belle chérie. Hein? Franchement, ça me fait vraiment plaisir quand tu portes ce genre de vêtements. Ça me donne également la joie de toucher ton corps pour savourer les mêmes plaisirs. Hein? Non. Tiens-toi debout. Hein? Mets-toi un peu debout. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps au même moment que nous sommes en train de parler. J'ai besoin que tu me montres quelque chose. Hein? Tiens-toi debout. Tu vas aller me montrer. Hein? Hey! Ah! Ma très belle femme. Lentement, je veux voir. Mon propriété privée. Hein? Odi baiser. Hein? Je n'arrive pas, ma chérie. Ma belle, doucement. Mon amour, écoute. J'ai seulement quelque chose que je vais te dire. Tu m'entends? Il faut savoir me dire que je suis désolé. Hein? Te dire que je suis désolé? Tu peux te diriger doucement dans la chambre. Je suis derrière toi. T'es vraiment fou. Je viens. Sors ton chukou. Maman, bon appétit. J'attendais à ce que tu reviennes. Y a-t-il un problème? Maman, j'ai fait un terrible rêve cet après-midi. Au sujet des frères du coup. Oh, donc après mon départ, tu es encore parti au lit. J'espère que tu as fait toutes les tâches que je t'avais laissées. Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Hein? Je me suis assurée. J'ai rêvé que frère Tchekou a été abattu à mort par les assassins. Impossible. Mon Tchekou. C'est pas mon fils Tchekou. Je le rejette. Amen. Je le rejette. Rien ne va arriver à mon fils Tchekou. Tchekou, rien ne va t'arriver, peu importe là où tu te trouves. Ah. Maman, nous devons l'appeler pour savoir si tout va bien ou pas. Et tu attendais que je puisse revenir pour que tu puisses l'appeler. Tu aurais dû l'appeler depuis tous ces temps. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu n'as pas de crédit? Allez, va prendre mon téléphone. Va vite prendre mon téléphone. Hey, rien ne va arriver à mon fils. Rien du tout. Je le rejette. Mon fils, j'ai quoi? Non. Allô? Oui? Je vais bien, maman. Je suis là. Comment ça va? Quelque chose? Quelque chose comme quoi? Somme-toi fait un rêve? Qu'on m'avait tiré? Par qui?
Ok, maman, je t'ai écouté. Je suis en train de faire quelque chose. Je vais te rappeler après. Pardon. D'accord. Ok. Somme 3 fait un rêve qu'on m'avait tiré. Vraiment, moi. Ou à Luciego. On m'a tiré? Qui m'a tiré? Hein? Hé! Hey, qui m'a tiré? Ça peut être qui? Hein? Je suis un dieu. On ne peut pas tirer un dieu. C'est impossible. Hein? Qui m'a tiré? Il n'y a personne qui peut tirer un dieu. Hein? C'est qui cette personne? Qui veut me tirer? Hein? Hein? Hey! Les gens me provoquent. Je ne peux jamais me laisser que quelqu'un me tue. Je n'accepterai pas. Maman, je voulais sauver mon frère. En vrai. Mais je ne pouvais pas. Ils ont réussi à l'emmener. Quand je me suis rappelé de ça, j'étais très content de savoir que ce n'était qu'un rêve. Ah, maman, c'est aussi le même rêve que je fête. Mais tu étais là quand je l'avais appelé. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter, que c'était juste un mauvais rêve. Hein? Maman, notre frère Joku doit être très prudent. J'espère que c'est le dernier que je rêve de lui. Vous voyez tous ces plans maléfiques contre mon fils Tchekou, ça ne va pas marcher. Et ils ne le feront rien. Ses ennemis ne réussiront pas. Amen. Nous devons tous prier pour frère Tchekou. L'ennemi est en train de préparer quelque chose contre lui. Mais ils n'arriveront pas, comme maman vient de dire. Amen. 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 C'est comme je le disais tantôt dans Ésaïe 54, verset 17. Tout arme forgée contre nous sera nulle sans effet. Il en sera ainsi. Amen. 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 Rien ne va arriver à mon fils Tchekou. Et pour ses comptes bancaires? Tu seras avec lui. Il veut mettre nez à ses comptes bancaires. Ses nous comptes? Nous parlons de la vie humaine ici. Tu es en train de parler de ses comptes? Hey. Hey Dieu. Anayo, es-tu normal? Bienvenue, mon amour. Merci beaucoup, ma chérie. Comment ça a été aujourd'hui? Très bien. Est-ce que tu connais quelque chose sur la femme de Diego que tu n'as jamais dit? Tu n'arrives toujours pas à répondre. Honnêtement, je dirais non. Donc c'est vrai que tu savais. Mais jamais tenté de le dire. Mon amour, pour être clair, j'allais te poser des questions sur ça. Mais, tu peux me dire? Bien, elle était aujourd'hui dans mon bureau. Elle essayait de trouver pourquoi est-ce que son mari lui avait donné une telle instruction. Mais mon amour, si je peux te demander, n'as-tu pas un compte à rendre avec lui? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Rappelle-toi. Et ce n'est pas ça à moi que je me rappelle. Et je pense que je dois me reposer. Alors, dans ce cas, Amanda ne m'a pas dit la vérité. Voir comment les choses vont aller. Donc, je vais voir ça. Nous regarde alors que nous devons passer à la prochaine étape. Il continue à faire la tête contre nous.
contre cette fraternité, chose qui est impossible. Personne ne peut découvrir ce que nous faisons et s'en tirer facilement. Il n'est pas seulement en train de rejeter mes appels, mais aussi il m'évite moi. Nous ne devrions pas le laisser dans ce désordre. S'il y a quelque chose à lui reprocher, je dois vraiment le faire. Et le pire, c'est qu'il commence à faire des choses vraiment étranges. J'étais vraiment surpris quand Joku avait commencé à prier. Cela ne prendra pas longtemps. Il doit être rappelé et qu'il doit toujours à cette fraternité et qu'il doit se racheter. Et il doit aussi lui être rappelé qu'il ne peut jamais nous échapper. Et aussi, laissez-moi informer les serviteurs de Wow. Nous savons tous la conséquence de ses actions. Si ça faillit, c'est comme s'il nous battait tous. Et nous allons encourager de prendre avantage sur nous. Vous n'avez rien à craindre. Personne ne peut faire tomber les autres dans cette fraternité. Il en payera le prix. Mon cher ami, arrête-toi, arrête. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Hein? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de parler? Mon cher, écoute-moi bien. Dis à tes gens, dis-leur. Ils t'ont envoyé à un homme de mauvais goût. Ils n'ont pas le droit de m'envoyer quelqu'un. Ils n'en ont pas. Dis-leur que tout celui qui se mettra sur mon chemin, je vais les tuer. Dis-leur. Je crains qu'il soit trop tard pour toi d'agir. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, je vais te laisser partir. Tu as de la chance aujourd'hui. Je veux que tu partes livrer mon message à tes frères qui sont dans la confrérie du sang. À la prochaine fois, mon pote, si tu me vois en cours de route et tu m'arrêtes, mon cher, tu disparaîtras. Lord and Spirit, never play with your business. I know we love you. Never like no moment to go. On a science, it's an action man. On a all I need is more money. Just to turn up. Now meet you. Anayo! 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 Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Hein? Maman, je ne vais pas entendre ceci. Je ne vais même pas y croire. Qu'a-t-il fait? Anayo est allé dans ma chambre et a pris le 20 000 naira que j'avais laissé là-bas. Anayo a pris ton argent? Oui, maman. Et il va me le remettre aujourd'hui, je te dis. Qu'il revienne ici où? Comment peux-tu être sûre que c'est Anayo qui a pris ton argent? Maman, tu es celle qui me pose cette question. Nous ne sommes qu'à toi dans cette maison. Ok, si ce n'est pas Anayo qui a pris cet argent, qui l'a fait? Je ne saurais répondre à cette question. Maman, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi tu es en train d'essayer de défendre ces garçons? Je ne défends personne. Ok, attends qu'ils reviennent. Je vais attendre. Oui, attends. Bien sûr. Attendons. Et j'en finirai avec ces garçons. Anayo va me remettre mon argent. Je vais m'en charger de lui. Hey, arrête d'accuser Anayo. Laissez-le revenir. Tu n'as pas de preuve qu'il a pris ton argent, donc arrête d'accuser mon fils. Tu ne sais même pas qui a pris ton argent, mais directement tu commences à citer le nom de mon fils. Attendons.
Chérie, bébé était déjà revenu. Je ne t'attendais pas. Non, je ne suis pas encore rentré. Je suis là où je t'ai allé. Je ne suis pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'où, Amanda? C'est à toi que je demande. Tu viens d'où? J'étais sortie avec les amis pour passer un peu de temps. C'est quoi le problème? Tu étais allé voir ton amie. Celle que j'accepte ou celle que je n'accepte pas. Ou tu étais sortie avec Angela. Et tu penses que je ne le saurais pas. Hein? Tu étais sortie avec Angela, n'est-ce pas? La femme de Mecca. Que je t'avais prévenu d'être prudente avec eux. Hein? Tu veux me tuer? Mais que veux-tu dire par je cherche à te tuer? Mon mari, Angela, était mon ami. Pendant des années, tu ne peux pas me demander de rester loin d'elle juste comme ça. Ne peux-tu donc pas voir qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux... Imbécile, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu fais ici, c'est désobéir à mes instructions. Tu n'as pas la soumission. Tu n'es pas une femme soumise. Moi, je suis ton mari. Si je dis, tiens-toi debout, tiens, assieds-toi, tu t'assois. Si je t'interdis de ne pas aller quelque part, n'y va pas. Laisse-moi d'abord te demander qui est le chef de la famille. Oh, tu ne le comprends pas. Qui est supérieur dans cette maison? Tu ne le comprends pas toujours. Quand toi et moi partons dans la chambre là-dessus, pour le plaisir, qui est au-dessus? Tu as toujours été au-dessus. Oh, je suis toujours au-dessus. Quand je suis au-dessus, je fais un bon travail, n'est-ce pas? N'ose pas prendre ma position du dessus dans cette maison. La désobéissance. Désobéissance. Que veux-tu dire par je dois être soumise? Non, laisse-moi te poser la question. Tu me demandes de rester loin d'une personne qui a été mon amie pendant de longues années, sans pour autant me donner la raison et tu veux que je sois soumise. Non, dis-moi, pourquoi veux-tu que je reste loin d'elle? Si ta raison est valable, alors je briserai la relation. Faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh, tu m'utilises pour apprendre le français. Amanda, c'est à moi que tu parles ce français? Hein? Tu commences maintenant à m'apprendre le français. Je vais déformer ta bouche avec cette canne. Hein? Comment oses-tu parler à ton mari de cette manière? Que je me justifie. Ok, je le vois. On a commencé à te réclamer à la maison de ton père. Tu feras ta valise. Tu iras. Tu es une femme et tu veux être en tête dans cette maison. C'est impossible. Tu iras. Une simple instruction. Je sais pourquoi, parce qu'il y a quelque chose dans les airs que je peux voir moi-même. Écarte-toi de Mecca et sa femme. Après, tu peux les côtoyer. Et pour comprendre, il faut parler français. Tu me dis de me justifier. Ok. As-tu déjà mangé? Quitte-la, laisse-moi les bruits. Les bruits sont inutiles. Tu veux être un homme. Tout pouvoir qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant Angela, de Jésus. Angela, Angela, et pourquoi est-ce que tu fais ces bêtises dans la maison? Qu'est-ce que signifie tout ceci? Fais très attention. Et c'est quoi ça? Bêtise, mon amour. Je prie. Est-ce vraiment de cette façon que les gens prient? Non, mais dis-moi, c'est de cette façon que les gens prient, hein? Ou tu es juste en train d'essayer de combattre ma paix dans cette maison? Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Mais de toutes les façons, qu'est-ce que tu cherches? Non, mais dis-moi, ne suis-je pas suffisamment béni?
Pourquoi continues-tu à déranger Dieu? Pourquoi continues-tu à le déranger avec toutes tes prières? Pourquoi? Mon amour, je sais que tu es béni. Oui, tu l'es. Mais je prie pour quelque chose. Et qui est? Avoir des enfants. Mon amour, nous avons besoin d'enfants. Je veux voir les enfants courir autour de la parcelle. Ça me fait de la peine. Je ne vois pas les enfants courir. Je trouve mon lit de la même manière dont j'avais laissé. Il n'y a personne pour jouer sur mon lit. Personne n'est là pour crier. Personne n'est là pour courir. Mon amour, comprends-moi. Comprends. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Anayo. C'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Anayo, tu ne vas pas le nier. Donne-moi mon argent. Quel argent? C'est tout de l'argent. Ah non, je te dis, donne-moi mon argent. Mais donnera cet argent aujourd'hui. Mon ami, pas chercher de l'argent là-bas. Où vas-tu? Reviens là. Donne-moi mon argent. Tu me cherches des problèmes. Hein? Tu me cherches des problèmes. C'est vraiment ce que je veux faire. Tu veux voir mon mauvais côté. Donne-moi mon argent. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Anayo, tu vas me remettre cet argent aujourd'hui. Tu le dois. Santo Choco, calme-toi. Anayo, as-tu pris son argent? Comment ça? T'as joué de l'argent? Hey, je n'ai pas volé de l'argent. Ferme ta bouche, t'es menteur. Tu n'as pas vu ça? Hey! Menteur! Maman, il a pris mon argent. Tu vas me le remettre. Santo, laisse-moi te poser une question. L'as-tu vu prendre ton argent? Oh! Maman, je n'ai pas besoin de le voir. Je sais qui a pris mon argent ou pas. Il doit Santo, me remettre mon argent. Laisse-les tranquilles. Il n'a pas pris ton argent. Tu me sers des problèmes. Je ne fais pas. Je vais m'en charger de toi. Tu n'as pas des ailes. Je vais m'en charger de toi. Parce que maman est en train de te défendre. Je dis assez. Laisse-moi tranquille. Moi! Santo Choco, Santo Choco, laisse-les tranquilles. Va-t'en ici. Oh. Quel argent? Laisse-les. Attends, Santo Choco, je vais te frapper. Laisse-les tranquilles. Mon mari m'a tellement choqué la nuit dernière. Il a été très clair avec moi en me disant que je ne prierai jamais, jamais toute ma vie dans cette maison. Angela, c'est sérieux. Ma chère, fallait voir les degrés de sa colère, la manière dont il était en train de crier sur moi, en me montrant qu'il déteste la prière. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose maintenant. J'ai une forte sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment? Je n'ai pas compris. Angela, j'avais un oncle qui agissait comme ça quand il était en vie. Personne n'avait le droit de dire au nom de Jésus dans sa maison, jusqu'à ce qu'il meure. C'est plus tard que nous avons réalisé qu'il était occultiste. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari était un occultiste. Tu penses ce que je dis? Tu dois faire quelque chose maintenant. Bien. Qu'est-ce que mon mari est bien de Dieu? N'aie pas de mauvaises idées sur lui. Nous ne sommes pas en train de parler de sa richesse, non. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ouvre tes yeux, ma belle. Ouvrir mes yeux pour voir quoi? Il m'a déjà demandé de ne plus encore les distraire. Si son vouloir est que je puisse intégrer dans son église, qu'est-ce que je ferais? Je n'ai pas de choix, je vais seulement aller. Et tu lui crois? Pas de problème, si tu l'es dit. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je t'apporte quoi? C'est bon, je pars déjà. Partir, tu veux aller où? J'ai un rendez-vous, ma belle. Aruna! Oui, madame. Ouvre-moi le portail. Madame, ce n'est pas possible. Je te demande pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, Oga m'a dit de ne pas vous ouvrir de la porte. Il m'a dit que si je vous ouvre cette porte, je serai viré avec vous. Et quand vous me voyez, j'aime bien mon travail, je ne vais pas partir. Ça doit sûrement être une blague, n'est-ce pas? Madame, je ne blague pas. Oh, c'est juste quelque chose que j'ai tiré dans mon oreille, qui a frappé mon oreille. Et je vais bien l'obéir, madame, pardon. Attends un instant, es-tu sérieux? Mon mari t'a dit ça? Je vous dis, madame. Tu sais quoi, je suis sûr que c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Ouvre-moi le portail. Madame, je ne le ferai pas. Appelez-les en premier que je veux le portail. Aruna, je dis, ouvre-moi le portail. Madame, je ne le ferai pas. Appelez-les en premier. Qu'est-ce que ça veut dire, si blague ou quoi?
Chico refuse de répondre à mes appels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je n'arrive plus à comprendre cet homme. Il n'est plus comme avant, il agit bizarrement. Il ne me parle plus avec affection. Amanda, qu'est-ce que tu rencontres? C'est vraiment terrible. Comment peux-tu penser à ce genre de choses? Attends, Amanda, es-tu vraiment sérieuse? Attends, donc tu crois que je blague? Ou soit ma voix ressemble à une personne qui est en train de blaguer? Je suis très sérieuse, mon mari m'a mise en otage dans ma propre parcelle. Au moment où je te parle, je suis enfermée. Jésus-Christ, attends. L'as-tu déjà appelé pour chercher à savoir s'il a déjà donné ses instructions? Tu connais leur staff, non? Ils ne peuvent pas faire tout. Il est vrai que deux fois, on a été tué. Mais cette fois-ci, il est sérieux. Ok, réfléchissons un peu. J'appelle mon mari et il ne décroche pas. Hey! C'est vraiment étrange, oh. Très étrange, ma belle. Alors, que vas-tu faire maintenant? Hey! Ah! Oh! S'il te plaît. Juste calme-toi, ok? Essaie de trouver nécessairement une solution avant qu'il ne vienne. Tu sais quoi? Je te tiendrai informée. Merci pour l'information, ma chère. C'est bon. Oh, au revoir. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Où est ce chauffeur? Il ne sait pas que moi je vais quitter ce matin? Hein? Où est ce chauffeur? C'est bien que moi je ne conduis pas et voilà je suis en retard à mon rendez-vous. C'est quoi avec cet idiot? Hein? Kenye? Oh, viens ici. Es-tu stupide? Non, monsieur. Non, c'est une question. Es-tu un stupide? Monsieur. Tu es un idiot innocent. Tu as des problèmes avec monsieur, moi. Monsieur, je suis désolé. Quand je terminerai avec toi, tu m'as gardé ici. Je t'avais dit, n'est-ce pas, que je dois sortir? Oui, monsieur, le véhicule s'est éteint à mon retour. Quelle voiture? Le véhicule, il semble que la batterie n'est pas en bon état, monsieur. Tu parles de quoi? Ma voiture. Oui, c'est en feu. Attends, tu la fermes. Ma voiture a eu le feu. Oui, monsieur. Et ça m'a aussi étonné, monsieur. Oui, monsieur. Et c'est vrai, monsieur. Hein? Est-ce que tu es sérieux? Je suis innocent, monsieur. Innocent? Tu as rendu ma voiture pave. Je suis innocent, monsieur. Innocent, tu as vraiment détruit ma voiture, innocent. Hey! Je suis innocent. Innocent, tu as rendu ma voiture à pave, innocent. Tu l'as fait sciemment, innocent. Hein, innocent? Donc tu as décidé de mettre ma voiture en fait, innocent. Monsieur, ce n'est pas moi. Innocent, dis-moi que tu es en train de blaguer, oh. Mais je suis innocent. Innocent, dis-moi que tu es en train de blaguer. Non, je suis pas innocent. Est-ce que tu sais combien ça m'a coûté pour avoir cette voiture? Non, je suis désolé, monsieur. C'est un problème de carburant. C'est pas moi. Oh, ce n'était pas un bon carburant. Monsieur, disculpez-moi. Ok, je vais te montrer ce que tu appelles mauvais carburant. Désolé. Écoute-moi cet idiot. Tu la fermes, je vais décrocher le téléphone, allô? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles maintenant? C'est quoi le problème? Que quoi? Hein? Mon dépôt? Mon dépôt? Et alors ma marchandise? Tu la fermes. Ne le répète plus. J'ai perdu la marchandise de 7 millions de naira. Et tu me dis que tout a pris feu. Tu es fou? Qu'est-ce que je vais dire maintenant à mes clients? Hey! Hey! Je suis fini, oh! Je suis fini, oh! Est-ce que... Appelez les services pompiers. Appelez-les, s'il vous plaît. Appelez-les. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hein? Vous éteignez avec de l'eau. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Regarde. Hey!
sont au Tchoukou. Tu aurais dû informer ton frère Tchoukou à propos de ta visite. Ah, maman. Hein? Je lui ai déjà envoyé un message. Et ce n'était plus important de l'appeler encore. Ah. Ok, une fois que tu seras là-bas, salue-les de ma part. Dites-leur que nous allons bien. Ne t'en fais pas, hein? Je veux les saluer de ta part. Maman, s'il te plaît. Ne cherche plus le maquillage dans ma chambre. Hein? Je voyage avec. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me mettre à chercher mes affaires à mon retour. Tu connais Anayo, ce gars. Hey, je ne crois pas en lui. Hein? Tous mes make-up et poudres, tout ce que j'avais, il a pris cela et l'a remis à toutes ces petites filles du village. Ok, tu ne fais pas confiance à Anayo. Et à moi aussi. Hey, maman, tu peux oublier la clé et le déposer sur ses où. Et Anayo prendra cela et va l'utiliser pour prendre. Ok, c'est bon, tu peux partir. C'est pas grave. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais t'appeler dès que je serai arrivée. Pas de problème. Hey, tu dois être prudente, ma chérie. Prends ça de toi. C'est bon. Maman, ok. D'accord. Regarde bien le chauffeur. Je le ferai, maman. Et aussi le bus avant de payer ton argent. Hey. Sois prudente, ma fille. Tu sais bien le genre de bus qu'il faut prendre. Prends ceci. Et répondez sur toutes tes propriétés, ainsi que tout ce qui te concerne. Avec ceci, tout est réglé. Ah, aisément. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, grand merci. Vous m'avez beaucoup sauvé si vous ne savez pas. Oui, je vais faire comme vous m'avez dit. Quand je commencerai à avoir la récompense, je retournerai pour vous présenter ma récompense. Abomadjibosu, ce que je viens te donner, c'est abomon. Ça va lutter contre toutes les forces qui te combattront. Mais avec ceci, et toutes choses seront délaguées. D'accord, c'est bien. Je vous crois aisément. N'oublie pas que tu dois revenir dans 3 jours pour l'accomplissement de ton rituel de fortification. Parce que je vois un complot contre toi. Et tu dois agir très rapidement. Je viendrai vous voir. Ça va. Ma chère, dis-moi, comment as-tu fait avec les embouteillages qu'il y a dans cette ville? Tantine, c'était si stressant. Partout où je te dis, des embouteillages. Chai, Udo. Je suis contente de ta visite. Je ne savais même pas que tu allais venir aujourd'hui. Je t'en prie, ma belle, la nourriture n'est pas encore prête. C'est sur le feu. Prends le jet et attendons que la nourriture soit prête. Merci, Tantine. Je me mets à manger. J'ai tellement faim. Voyez-moi cette fille. Et comment va maman ainsi qu'Anayo? Ils vont bien. Maman vous a envoyé une salutation. C'est vrai? Oh, chérie. Oh, bienvenue, bébé. Grand frère, sois le bienvenu. Somto, tu es venu? Quoi? C'est quoi le problème? Grand frère, je suis venu vous visiter. Pourquoi tu m'avais pas dit que tu viens chez moi en visite? Est-ce que tu m'avais appelé ou tu avais dit à ma femme? Non, grand frère. Mais je vous avais envoyé un message. Somto. À la prochaine fois, si tu veux nous visiter, appelle-moi. Soit t'appelles ta belle-sœur. Est-ce que tu m'as compris? Ok. Hein? Ok, grand. Comment va maman? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Oh, ma belle, calme-toi. Mets-toi. Ces derniers temps, ton frère est de très bons esprits. Les matins, va-t-il créer sur moi sans raison? Tu vas me payer tous ces dommages!
Et si seulement je perds mon contrat à cause de cette bêtise, et tu vas en pâtir. Calme-toi, pas jusqu'à ce niveau, je t'assure. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Que se passe-t-il? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pu l'arrêter. Tu m'as vendu de faux articles. Allô, Ciego, tu m'as vendu de faux articles. Tu me fais perdre mon marché et tu dois payer. Allô, Ciego, ça fait 15 ans que j'ai fait ces affaires avec toi. Ce n'est qu'aujourd'hui que tu penses que tu veux te bouger. C'est juste des mauvais goûts. La crédibilité et l'intégrité. À cause des 30 millions de nègres que tu veux me rouler, mon argent. Allô, Ciego, tu sais que l'argent est très difficile. Je ne vais pas tolérer cette bêtise. Ce n'est pas de sens. Ok, calme-toi, regarde. Je crois fermement que c'était une erreur. Allô, Ciego, je ne pensais pas que tu allais me faire tout ceci. Mais tu me connais. Tu n'es qu'un fraudeur. Oh non. Tu n'es qu'un fraudeur. Non, tu ne peux pas me dire ça. Ça fait des années que je suis dans ces affaires. Je ne peux pas tolérer cette bêtise. Allô, Ciego, tu joues avec mon argent. Ok. Tu sais que je n'aime pas blaguer avec mon argent. Ok, ok. Allô, Ciego, je me réveille avec toi à cause de mon argent. Ok, calme-toi, doucement, tu auras ton argent. C'est ce que tu fais depuis tout ce temps. Même il fait, allô, Ciego. Je ferai quelque chose, allô, Ciego. Je ne veux rien d'autre que mon argent. Je ne veux pas que je te fasse du mal à de bêtises. Je veux juste mon argent et rien de plus. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Hein? Vous êtes mes clients. Je me rends compte que vous êtes déçus tous. Je ne veux pas entendre de bêtises. Monsieur le professeur, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Doucement, monsieur. Ah! Allô, Ciego. Non. Rien, ça ne va pas. Je ne vois pas clair. C'est quoi ça? Ah! Moto, moto! Hé! Hey. Moto, moto! Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec ces véhicules? Hein? Viens. Arrête. Tu vas aller me laisser au garage qui est près de la station. Pour que je le dise de venir prendre ces véhicules, ça ne démarre pas. Non, monsieur, je n'y vais pas. Tu ne pars pas, pourquoi? Tu as refusé d'aller? C'est quoi ça, ce que je vois? Hein? Oh, il a refusé de me prendre. Maintenant, je suis celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Que je transporte ces véhicules sur ma tête? Hein? Non. Tu n'es pas le chauffeur de moto? Si, je le suis. Va me laisser. Où c'est? Vers le garage. Ma voiture a connu une panne. Les problèmes se trouvent au niveau du moteur, ça ne démarre pas, ça c'est la clé. Va me laisser au garage, comme ça je vais dire au garagiste. Tu as refusé de me prendre. Je ne peux pas me prendre. Il a refusé. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il y a une voiture qui arrive. Restitue ce que la famille t'a donné et tu seras en paix. Sinon, quand j'en aurai fini avec toi, il ne te restera que la poussière. Pourquoi cherches-tu à foutre ton nez dans toute cette bêtise? Hein? Alors écoute, je suis au courant de tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Et ça, ce sont les hommes de notre grand maître. Oui, ce n'est rien d'autre qu'une image que notre fraternité peut te faire. Alors écoute, tu es mon frère. Je veux te prodiguer un petit conseil.
Alors, s'il te plaît, agis comme il t'a été instruit pour que tu sois en paix. Djeku. Yeah. Antique. Et tu n'as encore rien vu. Mon amour. Ma belle. Adibese. Ma sirène personnelle. Je suis là. Viens, je suis là. Hey. Comme ça? Mais tu viens de là-bas déjà? Ils m'ont dit de partir. Alors, je vais revenir. Qui t'a demandé de partir? Eux. Oui. De quoi? Hey. Qui est des? Ah, ne passe pas devant moi comme c'est ça. C'est une plaisanterie. Reste avec ton Djoku. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, hey! D'avoir laissé cet habit ici. Oui, je l'ai laissé ici. Mais... Attends, est-ce que Santo est parti avec cet habit? Elle est la seule personne à avoir quitté cette maison et après son départ, personne d'autre n'est entré. Je disais qu'il était en colère. Je ne voulais pas que mon grand frère revienne me voir. C'est une
incroyable. Mais as-tu appelé ton frère Tchekou pour confirmer ce qu'Amanda dit? Non, maman. Je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas heureuse. Et s'il n'avait pas donné cette instruction? Il se pourrait qu'Amanda ne voulait pas de toi. Elle voulait que tu puisses partir de la maison de ton frère. Voilà pourquoi il a utilisé les noms de ton frère pour excuse. Oui. Maman a raison. Je connais frère Djibou très bien. Il ne peut jamais te demander de partir de la maison comme ça. C'est exactement ce que je dis. Maman, tantine Amanda m'a très bien accueillie. Tous les jours que j'étais là. Santo Djibou, c'est pas ça mon problème. Tu aurais dû appeler ton frère avant de partir. Anayo, apporte-moi mon téléphone. Ah, maman, tantine Amanda, elle appelle. Décroche. Réponds-lui. Allô, Tanti. Comment va maman et Anayo? Ils vont bien. Santo, s'il te plaît. Est-ce que par hasard tu avais pris un habit au salon pendant que tu partais? Vêtements? Je n'ai rien pris. Le fait est que je suis très certaine d'avoir laissé cet habit au salon. Et il n'y a personne d'autre avec moi à la maison. Mais je t'en prie, si tu as cet habit avec toi, fais-le moi savoir. Ça appartient à une de mes amies. Essaies-tu de dire que j'ai volé tes vêtements? Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi ce téléphone. Allô, Amanda? Oui, arrête de traiter ma fille de voleuse. Tu as réussi à la chasser de la maison de son frère. Donc c'est comme ça que tu es, Amanda. Amanda, tu es méchante. Vraiment méchante. Oui. Et pour ton information, ne traite plus jamais ma fille de voleuse. Va chercher ton habit. Va chercher ton habit, tu es une méchante belle fille. Maman, j'ai... Allô? Allô? Est-ce que par une quelconque façon j'ai traité cette fille de voleuse? Je ne faisais qu'y poser une simple question. Écoute-moi ça. Hey! Appelle Chikou. J'ai besoin d'entendre la voix de Chikou. Non, maman. Je ne veux pas l'appeler. Tu peux le faire toi-même. Hein? Santo. Je dis appelle Chikou. Je ne peux pas. Santo. As-tu pris le vêtement? Quel vêtement? Tu veux que je te chiffre? Quel genre de question est-ce? Maman, tu veux ton fils? Santo Chikou, appelle Chikou. Maman, je n'ai pas envie de l'appeler. Prends le téléphone et fais-le toi-même. Samson. Puis-je prendre les vêtements que tu ne désires plus, non? Ça me va très bien. Tu entends? Anayo. Mmh? Anayo. Mmh? Quel vêtement, Anayo? Vérifie. C'est qui cette fille là-bas? Oh non, c'est pas vrai. Donc maman m'a raccroché au nez. Donc ça veut dire qu'elle soutient Santo? Qu'importe ce que cet homme dira, rien ne va me convaincre. Cette fille a pris cet habit. Elle l'a pris. C'est pas grave, que j'attende le retour de mon mari. J'avais laissé cette habit sur la chaise. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je dirais à son propriétaire, mon seigneur? Allô, Amanda? Oh, comment tu vas? Comment tu vas? Comment va ton mari? Amanda, je t'appelle actuellement pour... pour savoir si tu as fini avec ces habits. Je vais mettre ça pour une occasion. Quand? Dans 4 jours. 4 jours? Ok, c'est déjà prêt. Je peux passer pour les récupérer. Tu n'as pas à te déranger, ma belle. Je te passerai un coup de fil. Allô? D'accord, bye. Allô, Amanda? Bye. C'est quoi ce genre de problème, mon Dieu? Ah, Seigneur, Seigneur. Elle ne me répond plus.
On n'a même pas fini déjà, bye. Qu'est-ce qui ne va pas? Djikou. Le but est toujours le sacrifice le précieux, le mérité. Oh merde! Mais c'est impossible! Mais c'est ma femme! Qu'en est-ce que c'est ma femme? Mais c'est ma femme, ce n'est pas possible! Djikou! Qu'est-ce que tu as fait? Je sais plus, il y a eu une erreur. Celle-ci est ma femme. S'il te plaît. Ça, c'est vrai, grand-mère. Silence, vous deux! Le propriétaire de cet habit, tu es emmené. Il la présente. Et le sacrifice est prêt à être accepté. Je t'en supplie. J'ai été un humble serviteur. J'ai toujours fait ce que tu m'as demandé de faire. S'il te plaît, ne me pleure pas. C'est ma femme. Elle représente tout pour moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Fais quelque chose. S'il te plaît. Dieu t'aime. Et heureux de ta présence. Le sacrifice a été accepté. S'il te plaît, s'il te plaît. Djikou! Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es inquiet. Et cela n'est pas bon pour toi. Je sais que tu es préoccupé à cause de l'incendie qui s'est passé dans notre ancienne maison. Et avec tant d'autres choses qui se passent. Mais tu dois aller doucement avec les choses, chérie. C'est pas de cette façon que tu réussiras à gérer ces problèmes. Il a toujours été dit que ce qui ne te tue pas, te rend fort. Tu dois te ressaisir, chérie. Bébé, pourquoi me regardes-tu comme ça? Est-ce que tout va bien? Tu es mon soleil levant, mon étoile du matin. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu le sais. Je t'aime aussi. Tout ira bien, chérie. Je suis vraiment parti.
Je vais m'en partir. Merci beaucoup, chérie. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, chérie. J'espère que tu as bien dormi. Pas très bien. Tu dois vraiment dormir. Oui, je sais. Je n'ai pas bien dormi. Mais je promets de bien dormir aujourd'hui, la nuit. Mais pardonne-moi. Ok. Tu es pardonné. Ok? Merci. Quelque chose s'était passé ici hier. Je ne veux pas que tu prennes mal ce que je suis sur le point de te dire. Je crois que Santo était parti avec l'ami d'Angela. Tu sais, j'avais pris cette robe rien que pour aller montrer le modèle à mon couturier. Mais juste après le départ de Santo, je n'ai plus revu la robe. Je ne sais vraiment pas à quoi penser. Tu n'as rien dit. J'ai mal à la gorge. Bébé, tu vas bien? Doucement, doucement. Oui. Cherche-moi de l'eau à boire. Ok. Oui, je t'apporte de l'eau tout de suite. Il fait qu'un coup, mais... Mon Dieu, pourquoi moi?
Emeka, apaise-toi, ok? Sois un homme. On fait des choses comme celle-ci. Finissent par arriver. D'accord? Et il est possible que ça nous affecte. Mais sache que la vie continue. Et donc, calme-toi et essaie de t'apaiser, hein? Donc, tu viens te justifier. Un homme qui a une mainmise, et dont la douleur, dont la détresse de son voisin, sa source de bonheur, sa joie. Ah. Où t'as été? Je ne veux pas me calmer. Et je te le jure, je ne veux pas me calmer. Emeka, quoi que tu décides de faire, assure-toi que cela ne violerait pas le texte de notre fraternité. Rappelle-toi des accords de notre ordre sacré. Ok? Ce monde ne peut rien pour moi. Ce monde ne peut rien pour moi aujourd'hui. J'ai pris les risques de venir ici parce que je continue à croire que tu es mon frère. Parce que je crois fortement que après avoir te parlé, tu me comprendras. S'il te plaît. C'est un combat à nous deux et je ne le veux pas. Ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Pardon. Hein? Je t'ai parlé plusieurs fois que ce qui était arrivé à ta femme, c'était un accident. C'était qu'une erreur. Erreur? Ou quoi, Kidia? Djeku? Accident? Que bon, Nyage? Le jour où tu t'es décidé de verser le sang de ma femme, c'était le jour où tu avais brisé toutes les bornes qui tenaient notre relation. Nous sommes déjà en guerre. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne me déclare pas les combats parce que je n'en ai pas peur. Mais il faut être sûr et fort pour y arriver. Je n'ai pas peur de te combattre. Je n'ai pas peur de combat. Tu me connais. Mais la différence entre moi et toi, tu le déclares par émotion. Et moi, je réfléchis. Et je te dis maintenant que ces combats, nous n'en profiterons de rien. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Chercher la paix. Mais tu veux les combats. Pourquoi tu veux les combats? Ok. Djeku, tu n'as pas peur de la guerre, hein? C'est ce que tu es venu ici me dire dans ma maison que toi, tu n'as pas peur de la guerre. Djeku, je te dis et je te promets ceci. Apprête-toi parce que je viens vers toi avec tout ce que je possède. Je vais t'offrir la guerre, Djeku. Et ça ne sera que le sang contre le sang. Et je te le jure. J'attendrai.
Hein? Djeko, sors de ma maison. Djeko, sors de ma maison, maintenant! Ce n'était qu'un rêve. La mort d'Angela va affaiblir tout le monde de sa famille. Et sache que je vais ôter la vie de Tia l'une après l'autre. Écoute bien ce que je dis. Tire à bout portant sur tout ce qui a deux jambes et embraser sa maison. Je répète, tire à bout portant. Anayo, je sors un peu avec maman et Meka. Nous partons voir Igwe. Oh, ok. Hein? Ok, maman. Rassure-toi de bien prendre soin de la maison. Ok, maman. Je reviens dans peu de temps. Hein? Ok. Prends soin de la maison, tu m'entends? Hein? Amanda, quitte ce club et sois sauvée. Ce club ne te sauvera jamais. Amanda, 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 écoute ce que je te dis et fais ce que je te dis. Spack. Oui, boss. Je t'ai appelé ici parce que j'ai besoin de toi et des hommes. Pour renforcer la sécurité de cette maison. Hmm? Dès maintenant, applique la force. Hein? Tout ce que tu verras autour de cette maison, tire-les. As-tu compris? Complètement clair, boss. Tu vois un oiseau, tu tires. Si tu vois les êtres humains au nombre de 50 ou 100 ou bien 200 personnes autour de ma maison, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois tirer. Tire-les. Un homme doit être comme ça. Hein? Ok, boss. Je vais les surveiller de près dans ma chambre. Exécute mon instruction. Si je vois un oiseau en liberté et que tu es instruit et tu ne l'as pas tiré, Spack, c'est toi que je vais tirer. Hein? C'est très clair, boss.
tu as déclaré le combat. Je n'en ai pas peur. Tu le déclares sans réfléchir. Mais ça n'en profite de rien. Mais comme tous, vous avez décidé de ne pas voir la paix. Je ne vois pas aussi dormir. Quoi, mon frère? Appelle-les. Il a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas décroché le téléphone. Alors, appelle-les. Ok, boss. Oui, appelle-les, appelle-les. Je ne sais pas ce qu'il a à me dire. Mais à main libre, comme ça, je vais capter tout ce qu'il va dire. Allô, grand frère? Je t'écoute. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit que notre maison était attaquée. Oui, ils nous ont tiré dessus. Nous nous étions tous enfouis. Du moment où je te parle, je ne crois pas que maman est vivante. Anayo? Qu'est-ce que tu dis? Je suis effrayé. Elle a été assassinée. Hey! Grand frère. Hey! Hey! D'accord. D'accord. Ma mère. Hey! Ma mère. Aïe! Boss. Aïe! 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 Boss, apaisez-vous. Aïe! Hey! Hey! Ma mère. Ma mère. Ma mère. Hey, boss. Boss, je suis désolé. Mes condoléances, boss. Hey! Hey! Grand maître, dites à cet homme qui est assis là, qui s'appelle Emeka, comment as-tu osé piétiner la queue du tigre? Je suis venu uniquement pour avertir cet idiot. Il a provoqué la colère du tigre. Je te promets de ne pas te laisser vivre. Je vais m'en charger de toi jusqu'à bout. Je vais franchement te couper en morceaux. Après avoir te coupé, ton corps sera la nourriture du chien. Pour qui te prends-tu? En fait, calme-toi. Tu es sans cœur. Tu es sans cœur. Sinon, tu aurais sacrifié ta femme au lieu de la mienne. Grand maître, ces garçons ici présents ne méritent pas le pardon. Tu ne peux pas lui pardonner. J'en ai marre. J'en ai marre avec vous deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Crier l'un sur l'autre n'est pas la solution à ce problème. Et maintenant, je veux que vous deux puissiez vous réconcilier. Ce qui est arrivé était une erreur. Aussi une erreur. Et qui est très, très regrettable. Par moi. Ok. Grand maître, maintenant que sa glossière, parce que je suis toujours en glossière, vous voyez quand un homme vibre fait le bruit de cette manière qu'il le fait, vous comprendrez qu'il n'est pas encore assez un homme. Hein? Je vais dire ceci. Permettez-moi de le compasser. Je vais le payer pour la mort de sa femme. Là, tu me provoques. Tu me provoques, là, tu me provoques. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un grand, un très grand lâche. C'est ce que je dis. Tu n'es qu'un lâche. Tu me craches tes insanités. Sinon, tu aurais sacrifié ta femme au lieu de la mienne. Alors, tu n'as qu'à te taire. Tais-toi. Tu n'es rien d'autre qu'un stupide. Que penses-tu? J'ai reçu de ces gens parce que je voulais la réconciliation. Où crois-tu être? Es-tu fou? Mais, grand maître, essaie un peu de dire à cet homme. Tout ce qui s'était passé, c'était qu'une erreur. Qui veut la paix, prépare la guerre. Les combats que tu cherches, c'est gaspiller encore de l'argent. J'en ai assez. Non, non, Odienti, Odienti, il me traite pour un lâche. Désolé, monsieur. Taisez-vous. Mais parle-lui. Vous deux, m'appelez Odienti, Odienti, comme si vous me respectez. Vous avez jeté de l'opprobre sur notre fraternité. Vous deux devrez passer par la purification.
parce que vous êtes allé ou contre notre loi. Et c'est terminé. Voilà pourquoi, pour la meilleure compréhension, nous tous, pour régler cette affaire une fois pour toutes. Toi, je t'attends. Retrouvons-nous le soir. Tchekou, qu'est-ce qui se passe réellement avec toi? Non, j'ai besoin de le savoir. Pourquoi tu ne me considères pas? Tu me laisses toujours dans le noir, tu ne me dis pas ce qui se passe réellement. Oh chérie, calme-toi. Amanda, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? À toi que je demande. C'est toi mon problème. Donc je ne peux pas avoir la paix dans cette maison. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu dois me dire ce qui se passe. Tu vas me tuer et manger mon cadavre. Oh, vraiment? Oui. Alors c'est ce qui va se passer. Tu deviens insensible au sujet d'Emeka. Tu ne me laisses même pas aller le voir ou soit sa famille. Maintenant, je remarque que les choses deviennent pires, mais jusqu'à présent, tu ne me dis toujours rien. Et tu veux réellement que je puisse me calmer? Hello? Moi? Hello? Amanda, c'est à moi qui te dis ça? Ok. Je vois d'où provient tout ceci. Je vais désactiver ton compte Facebook et Instagram dans cette maison. Parce que c'est là où tu prends tout ceci. Hello, c'est comme ça que tu parles à ton mari. Une autorité comme moi, tu me dis hello. Oh, j'ai vite compris. Tu veux m'apprendre comment faire l'échange de la parole et autre chose, n'est-ce pas? C'est ce que toi, tu apprends. Si. Sur TikTok et Instagram. Quand ton mari parle, tu parles aussi. Et tu veux que je te donne la réponse en tant que qui? Le chef de cette maison? Ferme ta bouche, continue à parler. Tu dois te discipliner. La réponse que tu es en train de chercher, même si je te la donne, est-ce que tu vas la considérer? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si je te dis ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire avec? Amanda, je te pose la question. Hein? Pourquoi tu gardes silence? C'est quoi? Écoute-moi bien, madame. Ton travail est d'exécuter mes instructions. Tu n'es pas un homme, c'est moi l'homme. Désobéissance. Hein? Tu me stresses. La désobéissance, je donne l'instruction, suis-la. Oui, c'est ce que tu es supposé à faire. Si quelque chose est fait, tu vois que la chose est faite. Ne me stresse pas. Et tu veux... J'ai oublié un point, laisse-moi te le dire. Tu vois cette causerie, je l'ai enregistrée. Oh oui, je l'ai enregistrée parce que tu as dit, tu vas me tuer et manger mon cadavre. Tchekou, tu sais que c'est pas ce que je voulais dire. Tout ce que je voulais, que tu me dises la vérité et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tchekou, c'est pas ce que je voulais dire. Supprime ça. Supprime cet audio. Allez. Grand frère Emeka. J'ai du mal à y croire. Je suis choquée. Je n'étais pas dans le pays, j'avais voyagé. S'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est réellement arrivé à mon ami? Elle a piqué une crise. Et elle est partie. Juste comme ça? Juste comme ça? Et seulement comme ça. Donc je ne verrai plus mon ami. Je ne pourrai plus lui parler. Hey! Angela! Angela, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi, Angela? Hey! Non, c'est bon. Je crois qu'elle est vraiment réponse. Non, elle est morte et partie. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Tu n'es qu'un... Oh Dieu, quelle personne! La personne qui est derrière la mort d'Angela ne connaisse jamais la paix. Expose cette personne, Dieu! Expose-le! Venge la mort de mon ami, mon Dieu! Venge sa mort! Oh, c'est vraiment insupportable! Il le fera. Il le fera vraiment. Où elle est, découpe. Je suis sûr qu'elle est au contrôle de toute la situation. Mmh.
Angela. S'il te plaît, je te présente mes condoléances. J'ai compati avec toi. Dieu merci. Tu comprends, moi. Que Dieu te donne la force pour surmonter ces problèmes au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci. S'il te plaît, prions. Prions. C'est pas nécessaire parce que je viens de prier dans la chambre. Tu comprends que je suis vraiment, vraiment fatigué, que je vais me vider la tête. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Mon frère Emeka, s'il te plaît, sauve-nous. Ils veulent nous tuer. Nous ne voulons pas mourir. S'il te plaît, aide-nous. Seul votre frère ne peut décider sur votre sort aujourd'hui. Appelle Jiko. D'accord, boss. Allô, mon frère. Oui, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Spire, Anayo. Anayo, c'est quoi au juste? Je t'avais dit de venir à la maison. Regarde jusqu'à 7 heures. Où est-ce que tu es? Mon frère, on nous a kidnappé. Kidnappé quoi? Qu'est-ce que tu dis? Kidnappé par qui? Pourquoi? Où est-ce que vous êtes? Je ne sais pas où nous sommes. Toi, donne le téléphone. Frère. Donne vite. Allô? Et tu ne le trouveras jamais, même si tu essayais. De toutes les façons, la partie ne fait que commencer. Emeka. 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 Hein, Emeka, qu'est-ce que signifie tout ceci, non? C'est quoi? Je t'avais dit que tout est fini, hein? Il sera question du sang de ta femme en échange de celui de la mienne. Écoute, Emeka, calme-toi, hein? Calme-toi. Pardon. Mon frère et ma soeur n'ont rien à voir de ceci. Si tu veux régler ces problèmes, rencontrons-nous quelque part, homme entre homme, face à face. Finissons-en, hein? Le frère d'un serpent est également un serpent. Emeka? Donc je les traiterai comme mes ennemis. Je ne t'accorde que 48 bonnes heures pour que tu les échanges contre ta femme. Et sinon, je les égorgerai. Mais après, je viendrai aussi pour ta femme. Et je te les promets. Occupez vous d'eux. Toi, malade. Tu es fou. Hein? Osez bouger, osez encore. Emeka. Emeka, Odiedi n'est pas ces gens de ces divinités qui se nourrissent de la guerre et les entretient. Il prend plutôt du sang pendant que les autres prennent du vin. J'ai toujours été loyal envers Odiedi. Et nous continuerons à être loyaux. Mais il n'y a pas de mais dans le serment d'allégeance et envers Otiété. Et tu dois obéir à ses instructions sans y mettre de l'émotion. Je te commande de battre retrait et de libérer le frère de Djekou immédiatement. Et alors, si je ne le faisais pas? Donc, je vais considérer cela comme un front, comme une désobéissance face à l'autorité de Odiedi. Il s'agit bien de ma femme.
dont nous parlons ici. Je ne veux pas. Je ne veux pas me lasser de venger la mort de ma femme. Je ne le ferai pas, croyez-moi. Là. C'est bien comme vous êtes venu ici. Vous deux, vous serez en sécurité ici. Rien de mal vous arrivera, hein? Vous êtes ici avec moi. N'ayez pas peur. Je vais mettre fin à ce problème. Très bientôt. Calmez-vous. C'est bien. Vous pouvez aller prendre bain. Allez-y. Allez-y prendre bain. Après, vous irez dans la chambre des visiteurs. Je viendrai causer avec vous après. Aujourd'hui, tu seras initié au premier ordre de Lili Koba. Désormais, tu seras doté d'un pouvoir surnaturel. Et aucun homme ne parie une femme et te fera du mal. Merci, mon Koba. Prends. Bois les sons de la vie. Allez, bois les sons frais d'un nouveau-né. De nombreuses années s'écouleront, mais tu resteras invincible. Maintenant, bois. Bois. C'est dans le sang que se trouve la vie. Le sang, c'est la vie. Emeka a touché à la queue du tigre. Et c'est ce même tigre qui va le dévorer. Personne ne peut porter atteinte à la vie d'un membre de cette fraternité et survivre dans les prochains jours par le pouvoir m'est conféré et par la puissance du grand Odidi Odidi. Je te commande, Emeka, d'apparaître ici devant moi. Qui es-tu, femme? Il n'y a pas un grand guerrier qu'une mère qui protège ses enfants. Je suis Madame Koba, la suprême reine du royaume ancien du premier ordre, Lili Koba. Je n'ai aucune affaire avec toi, Mama Koba. Ôte-toi du chemin de mon sujet. Emeka est initié du premier ordre de Lili Koba. Il est ce que le ciel est pour le mortel. Il est sous ma protection et je le protégerai de qui que ce soit. Il demeure un de nôtre parce qu'il a ôté la vie d'un de nos membres. La prochaine fois que tu lèveras ton doigt contre lui, les conséquences seront néfastes. Reste loin de lui. Une partie du lion a été ôtée. Et ça, c'est le début
d'une cœur. Emeka, il n'y a pas plus grand cadeau que notre Dieu nous a accordé, qui est la paix. Voilà pourquoi les écrits le soutiennent. Dans les livres d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La guerre qui a fragilisé cette famille doit prendre fin. Et vous deux devez trouver une entente. Il s'agit de Djeku et Emeka. Il n'y a rien d'autre que la paix qui peut nous permettre de retrouver nos anciennes relations. Djeku, ta mère est également la sienne. Mais regardez vos comportements. Je ne crois pas qu'elle serait contente de vous. Hein, vous comprenez? Et si je me trompe, regardez-vous et dites-vous que si elle était là, est-ce qu'elle serait contente de vous? Vous devez la rendre très fière de vous. Et je veux que vous puissiez le faire, que vous fassiez la paix ici. C'est alors qu'elle reposera en paix. Nous ne pouvons même pas l'enterrer sans que vous n'ayez fait la paix. Alors écoutez-moi, je vous supplie, vous deux, s'il vous plaît, faites la paix ici. Faites la paix l'un envers l'autre. C'est dans la paix qu'on trouve le bonheur. C'est tout ce que j'avais dit. Écoute, mon meilleur ami. Qu'est-ce que nous voulons faire pendant qu'il n'y a pas de paix? Le leur et le miel n'ont pas la même couleur, mais ils forment un très bon goût quand ils sont mis ensemble. Deux parmi vous sont là pour se réconcilier. Je ne veux pas dire pardonner déjà, mais je pense rien n'est plus important que ça. Je dirais pardonnez-vous et réconciliez-vous ensemble. L'un de vous peut commencer. Djeku, pardonne-moi pour... Je n'ai jamais voulu te mettre dans vos problèmes. Si mes actes ont dû t'offenser d'une manière ou d'une autre, alors je te demande pardon, tu es mon frère. Hein? D'accord? Je regrette d'avoir fait les choses pas comme il se devait. Je suis désolé. Mais le plus important, c'est que nous soyons tous en vie ici réunis. Tu es mon frère, Djeku. Et tu as toujours été mon frère depuis très très longtemps. Alors, s'il te plaît, mettons tout ceci de côté et essayons d'aller de l'avant. Juste comme ils l'ont dit. S'il te plaît, oublions tout ceci. Emeka, tu as bien parlé et je t'ai pardonné. Je t'ai aussi causé du tort. Je suis désolé pour cette brutalité avec laquelle j'ai pratiqué dans mes actions. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, j'espère qu'à la prochaine, essaye de faire autrement. Prends une bonne décision. Également, je suis désolé. Pardonne-moi. Femme, parle à ton fils. Dis-lui que tu es malade. Elona. Non, on me garde quelque part. Je suis malade et je ne sais comment prendre tes médicaments. Maman, écoute-moi très bien, maman. Hein? Essaie de te calmer.
Je résous tous ces problèmes et je passerai te voir. Non, non, viens aujourd'hui. Viens aujourd'hui. Oh. C'est d'accord, maman. Hein? Et j'arrive, d'accord? Je te promets que je vais tout résoudre. Hein? Essaye de t'apaiser et tout sera résolu. Ok. Mon fils, c'est s'il te plaît. Si mon fils arrive, il ne fait pas pardon. Personne ne va toucher à ton fils. C'est lui qui aura essayé. Il aura de problèmes avec moi. Merci mon fils. Oh, que Dieu te bénisse. Djeku, Djeku, je demande à ce que tu libères ma maman immédiatement, maintenant. Aujourd'hui, Emeka, c'est le jour des jugements. Aujourd'hui, c'est le jour de la vie ou la mort. Hey, Emeka, c'est comme ça que tu me remercies. Emeka, c'est comme ça, toi, tu veux que je libère ta mère. Écoute-toi, où c'est tout ma mère? Tu veux ta mère? Je veux également ma mère. Si tu as besoin de ta mère, sois prêt. Déterre ma mère et ressuscite-la. Que toi tu as tué. Tu as arraché la vie de ma mère. Tu vois ce que tu as fait? Hey! Et maintenant tu veux que je libère ta mère. En plus, tu m'avais dit que nous appartenons à la même confrérie. Mais tu as fait fuir ma femme. Hey! Emeka, tu n'es qu'un serpent. C'est ce que tu es. Mais aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je m'échauffe. Avant, tu m'avais dit que c'est le sang pour le sang. Tu m'as cherché les problèmes, Emeka. Tu m'as rejeté quand je venais chercher la paix avec toi, sans pourtant voir l'inconvénient. C'est à cause de toi que ma femme m'a abandonné. Toi, tu as tué ma mère. Emeka, aujourd'hui, écoute un peu. Tu m'avais dit que, hein, que c'est le sang pour le sang. Au moment où j'ai cherché à faire la paix avec toi. Mais aujourd'hui, je vais te montrer. Je suis prêt de ce que tu m'as dit, le sang pour le sang. Arrêtez ça. Arrêtez, arrêtez. Je vous interdis, vous deux, de jeter de leur propre sur le visage d'Otété. Otété. Et vous êtes tous deux de frères. Je vous commande d'arrêter cette hostilité. Maintenant. Otété, Otété, cache tes commandements dans ta poche. Aujourd'hui, c'est le jour des jugements. Je ne m'intéresse plus à la paix. Je vais te rendre en poussière. Ici. Emeka, aujourd'hui, Emeka, tu vas aller rencontrer ma mère. Je vais détruire ta tête. J'ai dit que tu mens. Je vais t'envoyer dans la terre de tes ancêtres. Tire. Si tu es fort, alors fais. Ce service spécial. Dépose ton arme. Déposez vos armes. Dépose ton arme. Déposez vos armes. Essaye de tirer, tu vas voir. Déposez vos armes. Dépose cette arme. Vous êtes à l'état d'arrestation. C'est fini. Qui a payé la police? Tu es en état d'arrestation. Monsieur, venez. Venez avec nous. Venez, c'est terminé pour Odiedi, vous. Tu es resté? Venez. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Battle line is wrong.
for my mother. After all I do.